Attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre là, qui sort de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un afterwork. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de p*** dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et bah on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je nique ça. Ah bon, c'est possible, hein. Je suis Sébastien Loeb, tiens. Bam 360, mon gars. Bam, into. Oh putain. Salut. 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 On est tué tous. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça se voit le point? Veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, mais j'ai pas bougé. Alors je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. La fois tu veux monter. Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, en partant là, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Ok, bah allez, du mal à s'y faire. Allez, ça y part. What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Ça casse la porte quand on va dire one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse la main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. L'enfer. Bi 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 bi. Victoire des défenseurs. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Oh, ça va, ça. On est samedi là, tranquille hein. Ok.
Bonjour messieurs dames, bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien en ce samedi, dernier jour de la semaine sur le campus de la Salty Academy, qui bosse 6 jours par semaine, lui. Alright, ça va tout le monde? Bien ou quoi? On est samedi, mais certains se lèvent à 8h, rentrez, bande de salauds. Voilà, ça commence bien, ça j'aime bien, ça, mobile home. Il va sûrement me demander comment je vais. Comment allez-vous 6-4? Bien. Ça va tout le monde? Alright, merci infiniment. Allez, on continue. Allez hop, merci infiniment pour les 2 mois de frais scolarité. Merci mobile home pour les 15 mois, vous êtes bons ces amis. Vraiment, donc aujourd'hui, samedi, campus de la Salty Academy. Après une vaste soirée hier sur les héros de l'EHPAD. Voilà quoi, ce qui était très sympa pour la première. C'était bien. C'est trop beau, The Bee. Filez-moi le numéro de vos mères et de vos sœurs, ok hein, arrêtez. Si j'étais vraiment beau, je serais pas célibataire du coup. Merci Roro Cuisto pour les 30 mois de frais de scolarité. Merci Poulette, hein, mon... vraiment. Ça dépend le point de vue. De quel point de vue? De ta mère? Le point de vue de ta mère? Elle est si grosse que ça? Oh, ça commence avec des petites blagues beaufs, hein. Oh, on aime bien ça. Personne ne te mérite. Ouais, ouais. Je porte actuellement l'un des meilleurs suites. Tu as le suite de la Salty Academy. Six, je voulais savoir, tu comptes refaire un arc Valorant? Eh, vous voulez pas arrêter avec vos arcs, là? Eh, vous allez arrêter avec ça? Ok. Il y a 3 tweetos, là, qui se sont dit, oh, oh ouais, l'arc One Piece, il est vraiment cool. Hein. Je préfère l'arc Harry Potter. Je préfère la... Vous êtes pas des archers, ok? Donc, vous vous calmez, les Robin des Bois des temps modernes, là. Et c'est pas l'arc Valorant. Est-ce que je vais reprendre Valorant tout court, ok? Putain, on me cassait les couilles là, les archers là. Le suite de la Salty Academy que j'ai commandé il y a 1 an, je crois, MDR. Attends, t'as commandé un suite il y a 1 an et tu viens de l'avoir? C'est une blague. Est-ce que je vais refaire un arc Valorant? Dans l'hypothèse où Rainbow Six se casse la gueule. Impossible, impossible. Et que j'ai envie de continuer le stream de façon professionnelle. Alors que Valorant et ou Tarkov pourraient ressurgir, tu vois. Et ou même du GTA-RP. Dans cet objectif-là. Mais la probabilité que ça arrive, elle est très faible. Je pense que si c'est la fin de R6, ce sera aussi la possibilité pour moi de dire bon, c'est bon, le stream. Moi, je fais rarement les choses plus de 4-5 ans, quoi. J'ai rien fait. C'est ma plus... Professionnellement parlant, j'ai jamais fait ça aussi longtemps. Jamais de ma vie, j'ai bossé autant et aussi longtemps. Ok? Moi, il y a un truc, c'est un peu la trilogie. Enfin, c'est 4 ans. C'est le maximum, c'est 4 ans. Dans tout. Dans tout. Ça n'a jamais dépassé 4 ans. Une ville, je suis jamais resté dans une ville plus de 4 ans. Une relation, plus de 4 ans. Un boulot, plus de 4 ans. Jamais. Après, mon cerveau commence à commencer à se poser des questions de ouf, là, en se disant « Wow, wow, wow !» Hein, voilà. La légende raconte que le Covid dure 4 à 5 ans. Oui, absolument. J'ai jamais eu une relation sexuelle qui a duré plus de 4 ans. Oui, c'est vrai aussi, ça. Le cycle sur Hogwarts Legacy, up les mecs. Non, mais jamais de la vie. Arrêtez, je peux... Franchement, hey, j'étais content l'autre jour. Après, il s'est rattrapé en disant « C'était une blague et tout, tu vois. » Mais j'étais content qu'on soit quand même de la même famille, même si c'est très éloigné. Quand le bouseux a dit « C'est bon, vous commencez à nous casser les couilles avec Harry Potter. » Harry Potter, c'est de la merde. Moi, je le dis, mais sans déconner. Hein. J'essaie pas derrière de me dire « Oh, c'est une petite blague. » J'essaie de faire de l'humour. Non, Harry Potter, c'est de la merde. Il n'y a aucun moment de ma vie... où je me suis dit, oh, ce serait trop cool d'être magicien, etc. Mais non ! À 11 ans, je prenais des pistolets à eau, je les transformais, parce qu'ils étaient orange et vert, l'équivalent des nerfs, tu vois, et je les peignais avec mes peintures de maquette pour déjà faire des tactical prises de trucs, quoi. Non, non, non. Moi, jamais de baguette magique, quoi.
Ma baguette magique, elle s'appelait M4 ou UMP45. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu la voiture non plus, tu vois. Ça a toujours été le même truc, tu vois. Ah, c'est le problème, hein. Quand t'es un enfant et que tu grandis dans une caserne, bon, voilà quoi. Harry Potter, ça pue. Ah ouais, qu'est-ce que ça me casse les couilles, sérieux? Qu'on me fasse chier avec Harry Potter, là? Non, sérieusement. Genre, vraiment, j'ai jamais aimé. C'est pas un truc qui m'attire. J'ai regardé aucun film. Il faut que je le voie pour pas rester trop con, quand même. Mais ça m'attire pas plus que ça. La preuve, quoi. Oh, c'est un univers... Tournicoti, schnibouboufi. Ouhouhou, petite baguette magique. Oh, non, en fait. Non. Les seules bonnes baguettes, c'est celles que j'utilise pour bouffer mes sushis. C'est tout. Voilà, point. Ça s'arrête là. Il est devenu italien. Eh, Harry Potterino. C'était un mix entre Harry Potter et Mario, quand même. Du coup, aujourd'hui, c'est samedi. Et comme on n'est pas sur Rainbow Six, tous les fils de pute sont pas là. Hein. Voilà, là, il n'y a que les vrais du campus de la Salty Academy qui sont là. Hein, voilà, qui veulent voir du vrai gaming. Les autres, c'est des cons, de toute façon. Et on les aime pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est marathon. Mission S-Only, comme samedi et comme samedi dernier, parce qu'il y en a qu'on n'a pas réussi à faire, quoi. Bien aidé par le fait que Nano était débile. Hein, voilà. Il y a quand même des gens qui sont nuls à chier dans les FPS. Hein. C'est incroyable. Hein. Et pourtant, c'est des gens intelligents, tu vois. Tu pourrais te dire peut-être que le mec, il a un petit handicap physique ou, tu vois, genre, il lui manque un doigt ou deux. Ça peut arriver, tu vois. Ou alors, il a un petit retard mental, tu vois. Ça peut arriver aussi. Non. On a tous ces mecs-là. Où tu te dis, putain, lui, il doit être bon dans l'FPS parce qu'il est assez smart et tout. Et ils sont cons comme des bites. Dans tous les FPS. Ils sont nuls à chier. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Tu vois? Des grosses désillusions comme ça. Comme on a tous ce pote, tu vois, qui est hyper bien gaulé, machin. Tu te dis, putain, il doit être sportif. Et il fout rien. Et il fout rien à part rester sur son canapé et fumer des gros pétards. Non, vous avez pas ces... On n'a pas les mêmes amis. J'ai pas l'ami, en fait. Merci, Toy, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité pour Rix, pour Disciple of Beer, pour Seiya, pour Jacouille et pour Not Bad, qui sont tous payés leur droit de scolarité. Plus grand que R6. Grâce à la générosité de Toy. Merci, Lucas, pour les 3 mois de frais de scolarité. Ready or Not, supérieur à R6. Oh, je sais pas si c'est supérieur, c'est pas la même chose. Rainbow Six, c'est le top 3 des FPS eSports. Ouais, enfin le top 2, si c'est mon top au final. Ouais, je le mets juste derrière CSGO. Quoi. Si c'est mon top, ok. Ouais, je le mets top 3, ok. D1. Et Ready or Not? À l'heure actuelle, c'est quand même, à mon avis, le top 1 des tactical games, quand même. En FPS. Après, il y a Ground Branch. Pour la partie plus force spéciale, enfin FS quoi, enfin plus militaire et pas voilà quoi, pas police. Code CSGO Rainbow Six. Non mais code en e-sport ça existe pas. Ah code on vous l'a vendu en e-sport parce que les mecs qui vous le vendaient en e-sport avaient des chaînes YouTube, donc vous avez commencé à vous imprégner de ça en vous disant si, mais ça non. J'ai connu aucune LAN où il y avait des mecs qui se déplaçaient avec leur Xbox et avec leur manette, etc. On vous a vendu ça comme étant un grand truc, c'était de la merde, ok. Aux États-Unis peut-être, ouais. Mais la plupart des personnes qui leur disent « Oh ouais, si, l'e-sport de code, etc. » le suivaient même pas, le regardaient pas, et n'y ont jamais participé au final. Donc non, please, quoi. Code e-sport, bullshit, ouais. Code e-sport console, il y a 10 ans, aux États-Unis. Pourquoi pas, à la limite. Code a déjà fait de l'e-sport. Oui, il y a eu un moment, tu vois. Mais ça représentait ça et il y avait CSGO à côté, quoi. C'est tout. Le seul problème, c'est que dans ces personnes-là qui étaient là, juste dans ce petit truc-là, il y avait Gotaga, / Vitality, / tout ça. Donc, l'importance que ça a pris sur les réseaux et en particulier en France, ça a été ça, au final. D'autre côté, sur CSGO, il n'y avait rien, quoi. Code, c'est du pur skill, c'est vide. Bah, pur skill, c'est pas forcément vide en l'occurrence, quoi. Genre Quake, c'est du pur skill.
c'est pas vite, quoi. Mais bon, bref. Je disais juste l'e-sport, tu vois. L'e-sport en France, bon, sur code, voilà, quoi. Hein, ça n'existe pas, ça a... Et au final, ça n'a jamais vraiment existé. Tu vas plus ? Non, depuis longtemps. J'ai réinstallé R6, à tout moment, je perds ma santé mentale. Bon courage. Merci encore, Lucas, en tout cas. Et merci, Toy, t'es un putain de monstre poulet. Ok, bon, aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi, c'est le jour plus tranquille. Je vous le dis juste parce que vous êtes les vrais de vrais du campus. Jusqu'à mi-avril, là, je suis en train de valider des trucs. Dont certains apparaissent légèrement au niveau de mon sub-goal, par exemple. Il y a des trucs qui arrivent. Après le Sexy Mutational sur Rainbow Six, il y aura des trucs tous les jours. Des concepts tous les jours. Pas 6-4 qui part en un-ranked. Des trucs de ouf. Vous allez en prendre plein la gueule. Ah ouais, si, si. Et puis, puis même les week-ends, des concepts, quoi. Et, pff, ça va être monstrueux. Monstrueux. Ouais, on en marre PTDR. Excelsior essaie de nous parler. Nous parler français. Nous français, nous parler français. Toi, pas parler français. Toi, essayer. Mm-hmm. You speak Dutch? Je prêche MB Dutch? Moi, pas parler la France. Bah non, t'es à Rennes, enculé. Vous avez passé une bonne journée, du coup? Ça va, comme d'hab. Encore à Aéro d'Oregon. Putain, la vache. Faudrait les mettre VIP, d'ailleurs, les Otero. Et Excelsior, faudrait l'enlever du VIP, parce qu'il est pas VIP du tout, lui. Hein. Tu fais partie du... Faudrait te mettre en mode, non, Excelsior? Que tu serves un peu à quelque chose, non? Pourquoi t'es en VIP, toi? C'est fini, ça. Comme tu veux. Ouais, bah... Ah oui, ça c'est clair, ça. Ah, s'il y a un truc qu'on peut dire sur le campus de la Solty Academy, comme tu veux, 6-4. Ça, c'est moi qui décide, de toute façon. Hein. In fine, c'est moi qui décide. Hein. Quand ça me casse les couilles, hop là, ça dégage. Hein, Capri, c'est fini. Mais à l'heure actuelle, tu fais quelque chose au campus ou pas? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es à l'event, par exemple? Même mon modo, il servirait pas à grand-chose. Ouais, c'est bien ce que je pense. Oui, sur des dossiers. Ah, t'es pas sur le Royal en ce moment, toi? Bon, tu verras. Ok. Voilà, j'arrive plus à parler. Unvip Excelsior. Allez, hop, toi, je t'enlève, enculé. Tu passes modérateur. Comme ça, tu feras des trucs, t'apprendras des choses. Mode Excelsior. Tiens, allez, cadeau. Ok, du coup, je vais rejoindre les gens et on part sur Radio Note. Il y a des gens par là? J'imagine que non. Où est-ce qu'ils sont? Ah! À la promotion! Salut, salut! Bonjour! Ça va? Salut, ça va, et vous? Ça va très bien, et vous? Nickel! Ok. Très bien. Eh ben, c'est cool. Beaucoup de joie de vivre. On est prêt, on attend que ça, le S partout. Ok, cool. Allez, c'est parti. Je lance le jeu. Enfin, il y a Excelsior, donc bon, le S partout. Ah ben, bah, je suis mort, écoute... il avait un couteau. Je l'attends, celle-là. Ok, je la cale une fois, ok. Est-ce que je peux avoir le stream kit là-dessus ou pas du tout? Je vais essayer de venir caler Jean-Maurice avec nous. Viens par là, Jean-Maurice. Salut Jean-Maurice. Ouais, c'est bon, je l'ai. Tu peux continuer. Attends, non, bah non, en fait, quand je parle, moi, c'est bon. On va regarder si c'est pas trop mal.
Bon, il y aura mon truc qui s'activera, mais bon. Un peu relou. À moins de dire à stream disc, à stream kit. Si je le mute. Est-ce qu'une personne peut muter une personne sur Discord? Dans quel sens? Oui. Une personne qui n'a pas les droits de modération peut mute une personne, mais juste pour. Qui l'aime pas, genre il. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 1, 2, voilà, parfait. C'est bon. Du coup, ça évite que mon nom apparaisse. Et toi, vas-y, parlez. Oui, ouais. Ah, nice. C'est bon, votre nom apparaît. Mais pas le mien. Comment c'était un peu relou. Déjà 1, 6, 4, 2, 6, 4, alors là. Écoute, toi, tu vas arrêter l'humour tout de suite. Hein. Je vais te le dire tout de suite parce que tu vas commencer mon casse avec le. Bon, ça va, messieurs, sinon? Ouais, toujours, hein. Vous avez super passé samedi. Une bonne journée. Oula, ouais. Bah, théoriquement, moi, je suis encore en train de... Enfin, en train de travailler, mais... Pourquoi? Je suis en prospection. T'es en prospection? Tu bosses dans quoi, toi? Dans commerce. Ok. Prospection, donc, commerce. Bah, je dois trouver des clients, quoi, mais... Là, je trouve des clients sur Ready or Not, c'est bien aussi. Là, tu devrais être en train de bosser et de trouver des clients. Ouais. Ok, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi trouver des clients? Ouais, mais pour quelle boîte? Pour quel truc? Dans la résine. D'accord. Dans la résine. Oui, de la résine. De cannabis. Non, pas de cannabis. Ok. La résine de marbre. De la résine de marbre? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? La résine de marbre, c'est tout ce qui est terrasse, balcon, escalier, allée de garage. Un terrasse, revêtement de balcon. Sol. Mais c'est de la résine de marbre. Bah oui, c'est connu, il y en a plein partout maintenant. C'est ce qui remplace le carrelage, les pavés, les opus, etc. Mais qui est-ce qui achète ça? Bah, plein de gens, les particuliers. Et qu'est-ce que tu dis du coup? Tu appelles au téléphone? Non, je fais du porte-à-porte. Tu fais du porte-à-porte, hein, pour aller vendre de la résine de marbre? Eh ouais. Oh mec, c'est trop relou ça. Ouais, c'est bien de la merde. C'est pour ça que je travaille ce matin. Si t'arrives à être bon à ce. Je te le dis, hein, si t'arrives à être bon là-dessus et à pas vouloir te flinguer au bout d'un an de boulot, oh, félicitations, y'a plus rien qui t'arrêtera dans la vie. Je te jure. Non mais là c'est juste le début. Je te jure. J'ai fait à peu près la même chose et tout. Commercial et se prendre des portes, ça demande tellement de choses. Ça me rappelle ce que disait Jerry Seinfeld, qui disait si, parfois ça m'arrive de regarder des mecs qui font du skateboard, et quand je vois des gamins qui ont 17-18 ans, etc., qui commencent à rentrer des tricks de folie, je me dis, eux dans la vie ça ira toujours. Parce que l'achievement qu'il faut pour claquer des... C'est hyper dur le skateboard, tu vois. Moi, j'avais fait quelques années, c'est hyper dur. Et tu te casses la gueule et machin, et la résistance à l'échec, la douleur, le fait, la frustration, la gestion de la frustration, le caractère combatif quelque part, etc. C'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. C'est pas évident, mais c'est le début. Ouais, mais t'as déjà vendu? Non, bah ça fait une semaine, pour je les bosse, 16 mois. Là. Ah, ok. Ouais, bah. C'est le temps de se former à l'argumentaire, etc. Un peu se casser les dents pour être prêt à toute éventualité par la suite. Ah, franchement, félicitations. Moi, ça me cassait les couilles. Après, le samedi, on travaille du lundi au vendredi. Le samedi est pas obligatoire, mais j'ai quand même travaillé. Eu quelques personnes pour des projets. Puis je me suis dit, allez, un peu de Ready or Not. Ok, mais tu veux pas faire ça ad vitam? Ah non, là c'est juste le début. Après, c'est on a plein de demandes internet pour des devis, etc. Des gens qui sont vraiment intéressés, ou en temps normal, on fait des stands pour la prospection dans des galeries marchandes, des foires et tout. Mmh.
Ok, ok, ok. Oui, c'est plus simple. C'est plus de la prospection. C'est quasiment. Enfin, c'est déjà des prospects qui sont identifiés, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que le porte-à-porte, nom de Dieu, de bon Dieu. Mm. En plus, bah, les gens vont pas être dans la bien-pensance, dans la bienveillance. Hein. Ils vont chier en mode vous me cassez les couilles. Skat, avant de commencer à jouer, tu peux unmod. Ok. Putain, j'arrive pas à copier les noms dans le truc, mais je vais le faire. Unmod. T'es sûr et certain pour l'orthographe, hein? Je suis lent. stop. Ouah, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, j'ai fait gaffe. Ouah, ça m'a fait sursauter. C'était quoi ça? Je sais pas, mais ça m'a fait bien peur. Tout le monde est là? Vous êtes tous là, ouais. Ou... Bah, je crois bien. C'est qui tire? C'est pas moi. Pas moi. Wolfie? Oh, c'est mes grenades. Ouais, c'est mes grenades. Ouais, ok. Mais y a... le son est fort. Unmod. Du coup, mais c'est bon, j'ai baissé le son. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Petite biscuit, le retour. Ok. Unmod. The jumper. C'est Bear tout seul? Et mode Jamarok. Ok, ça devrait être bon. Normalement, tout est bon. 100%, c'est dans la liste mode. Ok, c'est bon, c'est fait normalement. Nouveau short YouTube sur Ron. N'hésitez pas à les liker, les amis, les shorts. Le mode bouclier est activé. D'accord, ok. Jamarok, on vient de lui donner ses trucs. Déjà, il fait de la merde. Jamarok, tu vas pas rester, je te le dis tout de suite, toi. Voilà, ça fait 2 secondes qu'on vient de donner les droits. Tu viens d'activer le bouclier, Jamarok. Hein? Donc, tu vas faire attention au bouton maintenant. Tu vas pas commencer à cliquer partout comme un gamin de 12 ans dans une Porsche, ok? Parce qu'autrement, ça va être un mode vite fait. Jamarok, tu vas être le premier modérateur qui va en 10 secondes faire modérateur, démodérateur, banni. Avis. Merci Yoni pour les 3 mois, t'es un monstre. Ok, est-ce que tout le monde est là, du coup? On est tous là, ouais. Il y a un mec qui est perché là sur les cartons, mais... Putain, c'est bien, on est nombreux là. Pa, ça claque le multicam. On est d'accord que c'est quand même le pire des trucs au monde, le multicam, quand même. Et dire que j'en ai un, mais pff, qu'est-ce que c'est moche. Ok, messieurs. qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire une intervention... au niveau d'un dealer de... Voiture. Eh oui, pas de dealer de shit. Le dealer de voiture. Le... What? C'est quoi ça? Attends. Ah, Brisakov. Brisakov. Le dealer. L'hôtel. L'assassin service. Ça se service, il y en a pour un bout de temps. Hein. Et elles y sont toutes. L'hôtel. Et c'est tout. Donc il reste Brisakov. L'hôtel. Là, ça se service. Le dealer. Ouais, ça c'est bon. Ah, peut-être là aussi. Ah non, on l'a eu, c'était débile comme on l'a eu. Et la villa. Ah, la villa, on l'a pas faite. Non, il reste villa, hôtel, Brisakov. Bah, Brisakov, on peut le faire vite fait parce que c'est une solo mission.
Autant faire les solos, quoi, j'ai envie de dire. Let's go. Suspect barricadé, ok. Les règles d'engagement sont strictes, n'engagez à moins que la vie d'un officier ou d'un otage soit menacée. Est-ce que c'est bon, Excelsior? Où allons-nous, Excelsior? Je sais pas, tu permets de dire. Ok, Excelsior, ça, c'est comme Jamarok, tu viens de prendre un carton jaune. Les règles sont simples, il n'y a pas de deuxième carton jaune, derrière c'est carton rouge, ok? Excelsior, okay. Si tu commences à faire de la merde, tu vas jarter. D'accord? Okay. J'espère que c'est clair. T'as commencé à nous briser les coves. Brise la cove. Et donc, en avant. Mais attendez, c'est bon pour le matos ou quoi? Attends. On a pas de chill. Oh là 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 là, vous me dites vous êtes prêts et tout. Est-ce que t'es en mode non létal, Excelsior? Oui, j'ai pris full non létal. Vas-y, mets ton arme secondaire, c'est quoi? Un taser. Ok, très bien. Les grenades, c'est quoi? Lacrymo. Tout le monde est sur de la smoke. Ouais, tout le monde est sur du gaz. Ok, M320. Après, de la flash, ça me va. Hein. M320, flash ouais, en flash, impact. Oui. Ouais, sur le M320? Ou sur le à lancer? Non, sur la. Je suis en 9 coups à lancer. 9. Attends. Bah, le boum 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 que t'entends depuis tout à l'heure, c'est ça? Bah, c'était quoi? Où est-ce qu'il est? En mes mains? Là? Quoi? Là? Ah, c'est une flash qui. Ah, d'accord, ok, c'est une flash à fragmentation. Et ça. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Arrête de te la raconter, tu m'énerves, Wolfie, là. On dirait un mec qui a l'air soft, là. C'est ça. Et deux minutes après, ouais, ça marche plus. Ça m'énerve. Ils sont tous pareils à chaque fois. Ouais, franchement, c'est un minigun et tout, ça tire 4000 coups minute, ouais. Enfin, là, ça tire que dalle, frérot. Ok. Non, mais ça, c'est parfait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, Shield, qui? J'ai aussi de la lacrymo en 320, mais... Okay. Je crois que c'est pas la question. Il va commencer à nous... Carton jaune pour Wolfie, hein, qui commence déjà à... Mais à non, draguer. Mais non. Donc, qui est-ce qui shield? Excelsior, est-ce que tu veux shield ou pas? J'ai jamais shield de ma vie. Une première fois à tout. Les autres, okay. Voulaient pas du tout, en fait, c'est ça l'idée? Bah, c'est vraiment utile, le shield, vu qu'il y a pas le... Ta gueule, toi. Écoute. Dire, la blessure ne compte pas. Arrête. Oui, c'est utile, quand même, le shield. Hein. Ouais. C'est réaliste. Excellent. Voilà, moi j'ai joué une seule fois Shield et... Il est allé chercher à une rapidité incroyable. Il est là, il est prêt. Est-ce que... Un Shield ou deux Shields du coup? Bah, je crois que Wolfie est parti chercher. Non, mais comme tu veux Wolfie. Mais la question... Zeros, que en gros c'est... Et Bayzou, vous voulez pas vous? Moi je sais pas jouer Shield. Moi c'est pas que je sais pas jouer, c'est que je joue très mal Shield. J'ai joué une fois et c'était catastrophique. Wolfie, toi t'es un monstre au shield, non? Allez, je sors prends, nous mais... ton shield HRT. Est-ce que je prends une arme létale en secondaire pour la lampe torche? Oui, tu peux, ouais. Je tirerai pas avec. Oui, merci, s'il te plaît. Tu as vu le shield? Regardez le shield de Wolfie. Il est tout content. Il a mis 10 000 euros dans le jeu. T'as du wedge non. Aussi? Waouh! Oui. Il y a ton numéro de téléphone en bas à gauche. Par contre, je vais juste enlever le taser. Il est différent sans shield? Ouais. Ah ouais. Il est pour les petits culs. Ça, c'est un shield de qualité, ça. Il y en a un, il y a marqué police dessus et l'autre pas, tu vois. Au cas où on voudrait faire une mission undercover. Non, c'est un shield. Non, il n'y a pas marqué police. Non, oui, on n'est pas de la police. Qu'est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, je viens acheter de la cocaïne avec un shield, bah, ça arrive. Dans le pire des cas, j'ai retiré toutes les munitions du secondaire. Ah. T'as retiré toutes les munitions du secondaire? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ouais, je vais faire la même. Je vais sortir un truc parce que j'ai retiré des slots, du coup, peut-être les rajouter sur la primaire. Du coup. Bah oui. Éditer les slots. Pas d'armes secondaires. Arme principale. Il y en a deux qui vont prendre un carton jaune là. Ok. On était synchronisés.
Allez, fais-vous. Ah, j'en peux plus, moi, de vous, cette génération de trous du cul, là. Ah, ah bah, c'est parti. Ça a lancé. Du coup... On est combien ? On est 6 ? Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, on peut pas 6. 5, moi, pareil, 3, 2. Excelsior, à la limite, tu passeras avec moi, comme ça, ce sera plus simple si on doit être 2. C'est moi qui te drive. Nickel. Le but du jeu, essaye toujours de réfléchir comme un... avec ton shield, quoi, tu vois ? De toujours te dire, c'est moi qui dois me mettre entre là où ça tire et mes potes. Ok ? Pense okay, à tes potes okay. Derrière. T'as déjà joué Reinhardt sur Overwatch ? C'est pareil. Oui, ouais, ouais. Ah, voilà. C'est mon main. Eh ben, c'est pareil. C'est la même chose. Tu penses à ceux qui sont derrière. Tu te retournes pas comme un gugus. Ça devrait bien se passer. Ok, on a pris un périsque. On a pris un... Un bâton d'observation. Ouais. Malheureusement, pas moi. Non plus. Ok, bon. En avant. N'oubliez pas votre thé, les amis. Moi, je serai souvent avec Excelsior à 2. Et vous taperez à 3 avec Wolfie, Bisou et Zerosk. Ok. Est-ce que vous avez légèrement de la saccade sur les déplacements des bonhommes ? Non, moi là c'est... Ça a l'air d'aller. Ah, c'est pas non, très saccadé bon. Non, là moi c'est nickel. Ok, laissez-moi juste faire 2-3 trucs, please. Mais... Qui a bloqué la porte là ? C'est moi, mais je savais pas, je connais pas du tout la map, donc je savais pas si on avait un autre chemin d'accès. Pourquoi c'est si... J'ai que 50 FPS. C'est quand même extrêmement bizarre ça. À gauche, y'a rien dans les couloirs. Je prends à droite. Attends les 2 secondes. Je suis pas. Ouais, attends, reviens. Le but du jeu c'est. Bah ouais, plein écran, ouais. On a vraiment l'impression que je suis en fenêtre. Oh, y'a du monde dans le couloir. Ok. 2 secondes. Il m'a raté le coup. J'arrive. Ah, je vais essayer. C'est infâme ton truc. Oh, ça fait un peu. Livez le truc, livez, retour au lobby. Ok. Ouais. Je sais pas, c'est le truc de tout à l'heure là. Là j'ai 143 FPS, c'est bizarre. Peut-être quand t'as le tab ou pas avant. Non, là je viens de le faire, mais... Parce que moi, l'autre jour, j'avais Altab et j'avais des freezes pendant quelques minutes et ça s'est arrêté quand j'ai relancé le jeu. La dernière fois, avec mon copain Akui, ça buguait avec le T. Enfin, ça frisait un petit peu avec le T. Bah le T, ça rajoute du truc, quoi, ça c'est sûr, mais... Ouais, mais faut que tu le réduis, je crois que t'es resté non, en non, 144. Non, mais j'avais pas de problème, hein. J'ai jamais eu de problème avant. Donc il y a pas de raison que ça fasse de la merde. Je sais pas. J'ai l'impression de tout à l'heure quand t'as balancé une grenade, ça a commencé à faire de la merde. Moi de mon côté, Wolfie, fais gaffe à ça. Attends, je vais les enlever. Au pire, je passe non, non, en non, mais on verra. Au pire, on pourra le voir si ça vient de là. Mais tout à l'heure, quand t'as balancé une grenade, après j'ai commencé à avoir du flou derrière les jambes des bonhommes. On verra. T'as ta lumière, Excelsior. On va voir si c'est bon là. Mais je devrais au moins avoir ce nombre de FPS, je sais pas pourquoi. Remettons-nous dedans, en avant. Zerosk. Sorry. Mise à jour Nvidia, il y en a eu une hier. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ah, si ça fait de la merde, je la fais en 2 secondes. Ah, moi je l'ai pas faite, donc... Ouais, normalement il n'y a pas trop de raisons quand même. Surtout que c'est pas comme si c'était une mise à jour spéciale Ready or Not. Quoi. C'est Hogwarts. Bah en ce moment ça doit être Hogwarts, ouais, ça doit être ou Darker and de. Il est beau le jeu en plus. Lequel? Ready or Not? Hogwarts. Toi t'aimes bien Harry Potter, toi? Ah j'aime bien. Ah j'en étais sûr. Ah bah tu vois, là j'ai 144 FPS. Et bah nickel. Je suis pas le plus gros fan du monde, mais c'est sympa. Là j'en ai 55. C'est peut-être la map. Hein. Ouais, la map elle est. Ah ouais. Ah ouais, bah moi aussi là ça descend. Moi je suis pas. Je suis pas à 50, mais je suis à 90. Elle veut vraiment pas la map, quoi. Ah ouais. Ok, bon, bah en avant en tout cas. Je viens d'avoir un screamer là en bas de l'escalier, il y a des gens.
Fais gaffe, y'a un piège sur la porte en face. Arrive. Ok, bon, bah on va y aller doucement, mais c'est relou que je tombe. Ah, y'a des pièges. Ouais. Et c'est clair à droite. Attention, on le sait du coup qu'il y a des pièges. Après, je te dis, hein, si tu veux gagner des petits FPS, le oui, T tu réduis la. Ouais, ouais. Mais bon, ça me fait chier quand même. Pour tout le monde. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, on peut pas le faire maintenant. Ah, si. Si, faut que tu cliques. Ouais, ouais, je vais mettre en 60 FPS. J'ai cru entendre quelqu'un marcher derrière la porte. Hein. Ça change rien de mes FPS à moi. Voilà, j'étais descendu à 54, je suis descendu à 54 et il veut pas m'en donner plus. Je suis censé arriver à la porte non, en face. À moins que j'ai pas. Deux secondes. Je n'ai pas validé, mais si, ça a l'air bon. Tu peux bouger, s'il te plaît, tourner sur toi-même, Baizu. Doucement, doucement. Ouais, 60 FPS, c'est parfait. Ok, du coup, en avant, tu prends l'info à la Excelsior. Laisse. Quand on est en colonne de 5. Mets-toi en 3, tu vois. Wolfie 1, Baizu 2, et tu te mets en 3 au final. Le piège, il est diffus, c'est bon ? Ouais, ouais, je le diffus. Merci, Lou, t'es un monstre, poulet. Vraiment, et merci. Ok, c'est clair de l'autre côté. Je prends au-dessus de toi, à gauche. On essaie de se dédoubler, là. T'essaies de. À droite, il y a du monde. Je vais smoke à gauche, et je smoke à gauche, smoke à droite, vas-y, Baizu. Deux smoke party. Faudra se dédoubler, les amis, hein. Va de l'autre côté, Excelsior. Va là où il va pas, lui. À gauche, vas-y. Gauche. Ok, à droite, c'est clair. Reste main courante à gauche. Main courante à gauche, c'est clair. Contre le mur à gauche. Fais gaffe à la porte derrière. Contre le mur à gauche. J'allais la watch. Ça, c'est la droite. Excelsior. En revanche, tu connais pas la droite et la gauche, c'est compliqué. Tu vois. Non, mais vraiment, tu connais la gauche et la droite ou pas ? Oui, non, mais c'est ce que j'entendais mal en fait. Ah, ok. Donc ça gueule partout. En face. T'inquiète, je smoke pour désengager. Regarde à droite là. Va voir, il se rend. Ouais, t'inquiète, j'ai smoke pour. Personne si tu veux farmer. Vas-y, tu peux avancer du coup. Je vais wedger. Y'en a peut-être encore un au fond. Vas-y, avance, je suis à toi, Wolfie. Je suis à droite. Je wedge la porte à droite. Tu vois ce que c'est ? Y'a un piège à droite. Excelsior ou pas ? Non, pas trop. Ok, frôle le mur de droite. Vas-y, Wolfie. Là, t'es en train de faire une main courante à droite. Vas-y, sécurise-le. Frôle le mur de gauche. Je m'occupe de la porte du couloir. Une main courante, c'est la rampe d'une. D'un ouais, escalier. La porte est ouverte là, devant moi. Ouais. Quelqu'un en face de moi. Désengage, ouais, je reste pas en face. C'est pour qu'on parle en local. Ça ouvre la porte. Je smoke dedans, je smoke le couloir. Vas-y. Ouais, t'as smoke l'autre porte, c'est pas la bonne. Mais il est là, sur moi, il est juste à l'angle. Doucement, j'ai dit prends l'info. Je vois rien du tout. Ouais, c'est la merde. Ah le bâtard. Attention les oreilles. Il est en face. Oh, oh. Il est en face. Ils sont arrêtés les deux derniers. Hein. Non, ouais. Il s'est rendu. Doucement, avance pas. Gauche, tu sais dedans. Pas ce qui se passe. Reste mur contact à gauche. Vas-y, rentrez, je le garde lui. Je vais smoker, tu vas rentrer dedans. Bah, ça ferme la porte. Ok. Il est juste derrière. Au fond. Ouais. Vas-y, go. Vas-y, on sécurise la petite pièce là. Y'a personne. Porte fermée. Y'en a un au piano. On sort à l'autre porte, s'il te plaît. T'as smoke là ? T'es en train de smoke ou pas ? Ouais, je smoke. T'as dit quoi ? Je wedge la porte là. On ressort à l'autre porte. Ah merde, putain. J'ai contact à gauche, je vois la lampe. Hein. Bien, voilà les portes, Wolf, faire gaffe là. Ouais, c'est pour ça que je vais en wedge une. J'ai wedge celle à droite. Vas-y, reste devant que je puisse le couvrir. J'ai wedge à c'est gauche. Nous, au fond. J'ai trois mecs en ligne. Reste debout, Excel. Mets ta caméra sur moi, ton T sur moi. Ouais, je suis sur tout ça. Ça part à la droite là, dans le mur. Je vais smoker au fond à gauche, Excel, fais gaffe. C'est eux au fond à gauche. Bisous, Wolfie, j'ai 2 mecs sur. J'ai 3 mecs en ligne. Bah, j'ai gardé un truc à la flash. Vas-y, ok, je vais faire un truc. Y'a en face. Ils sont rendus. Ils sont tous rendus à droite. Continue. C'est nous en face, les mecs. Affiché. Je smoke sur la porte, main courante à droite pour vous. Avance, Excelsior va prendre l'info tout au fond. Vas-y, c'est rush. Porte fermée. Vas-y, je prends le deuxième.
Je vais smoker dans votre porte. C'est un escalier derrière. Ah la vache, ils sont armés. Ouais, l'autre il avait une M249, il nous a mitraillé. C'est bien, tu veux que je te smoke, Wolf? Non. Non, non, c'est clair ici, c'est juste les petites caisses. Ah. What? What? Bah, unauthorized machin, on n'est pas S. Ah merde. Ah bah oui, ouais, j'ai pas vu. Vous avez trop spray sur le mec, le mec. Attention au flash, si derrière le mec s'est rendu et que la flash, elle fait pa-pa-pa-pa-pa, non? Si ça se trouve, le troisième pas, il va... Tu vois ce que je veux dire? Il, ouais, ça serait trop triste en vrai. Je suis presque sûr que c'est ça. Ouais, ouais, y a moyen. Parce que moi, j'ai pas tiré une seule... Excelsior, fais toujours en sorte que tu nous entendes. Donc, ouais, bah j'ai baissé tout le monde et j'ai monté toi. Ah ouais, ouais, et puis le jeu surtout, si ça commence à gueuler. Ok, ouais. Et restez bien et sur le T de l'autre. C'est clair à droite. Faites gaffe au piège. Ok, on part dans la même logique, en tout cas, de faire tout le rond, ouais. de faire tout le tour. Doucement, doucement, doucement. Vas-y Wolf, prends l'info. Ok, je vois rien à droite. À gauche, y'en a un. Contact à gauche, contact okay, à gauche. Ok, je smoke à gauche, bisous, je smoke à droite. Ok. 3, 2, 1, ma smoke part. Ah, smoke est parti. Bon, et on fait la même chose. Smoke. 3, 2, 1, go. Wolf. Allez, go, top, 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 top. Go à gauche, go à gauche, Excel. Il y en a un qui est rendu dans le couloir à droite. Ouvert à droite, ouvert à droite. Tu peux aller fermer ou pas? Tu peux aller fermer. Celui derrière moi, faut que tu le prennes. En face de moi, il y a quelqu'un. Oui, j'ai vu. Je le prends lui. C'est Wedge là. Vas-y, Wolf. À droite, c'est fermé. Il va se tirer, fais gaffe, Excel. Je suis à l'angle. Ouais, mais non, c'est sorti, les mecs. Vous êtes sérieux? Il faut wedge. Vous avez pas wedgé la porte? Vous laissez des portes derrière vous qui sont pas wedgées? À droite? À gauche, la porte principale, visiblement. Ah, bah non, nous on est pas passé là. Enfin, moi je vais wedge les deux portes qu'il y a sur notre droite. Quand vous êtes parti directement à droite, ouais. D'accord? Bah, il y avait une porte à gauche. En partant à droite, peut-être. La porte de la pièce principale. Ah, ok, d'accord, ok. Ok, bah je la wedge en passant. T'en as zéro, toi, des wedge? Ouais, j'en ai. Ah, ouais, les portes avec mon shield. Ouais, parce que moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4. Éclair ici. Et vu qu'il y a 3 portes déjà dans le couloir que je wedge. Et j'ai du wedge aussi. Je sais plus combien j'en ai, je dois en avoir 3 ou 4. Ok, doucement. Tu te mets au corner, reste pas là poulet, regarde, mets-toi au corner à droite. On smoke en préventif et on va faire top action. Bisous en 2 et 3. À 11h dans le couloir, il y a quelqu'un. Ok, très bien. Je smoke à droite. Bisous en 2, go, top. Go. Go, Excel. Main courante à gauche. Et la porte à gauche, elle est sur moi. Laisse-moi smoke au fond, prends l'info à droite. Prends l'info à droite, si tu veux prendre l'info à droite avec ton smoke, c'est main courante à droite. Elle est là, la porte à gauche là. Ouais, elle est wedge. Tu joues pas blitz là. En face. Je passe à travers les murs. Faites gaffe, vous êtes touché. Ça ouvre la porte, attention. Deux qui sortent. Ouais. Ils vont être smoke, ils sont smoke. Excel, je vais smoker, faut... Bouge pas. Ouais, j'avance, restez derrière. Vas-y, go. Je smoke au fond, je prends pas. Ouais, je smoke au fond. Et puis en face de moi. Je vois rien. C'est rendu. Non, j'ai pas rendu. Pas du tout. Non. Vas-y, avant. Je ferme la porte, je la wedge. Il s'est rendu. Je smoke au fond. Et on va wedge les portes, une par une. Vas-y, je l'arrête. Oui. Mets-toi, mets main courante à droite. Et reste devant lui. Il y en a un autre dans le couloir. Devant lui, main courante à droite et coiffe-le, va derrière lui. Coiffé, ça veut dire plus loin que lui. Ça arrive en face de moi. Je smoke. Combien de mètres? Non, c'est rendu déjà. C'est bon, c'est rendu. Ok, bien pris. Va avant jusqu'à eux. Viens wedge. T'as des wedge ou pas, Excel? Non, j'ai que de lacrymo. Il me faut un wedge ici. Ok, bon, continue. Prends la porte qui est derrière moi. Ah non, c'est bien en face, c'est nous en face. La porte qui est derrière moi. Celle-là, là. Là, ça aurait pu sortir. Ça tire, hein. Ça arrive derrière le shield, là. Le champ. On se fait tirer dessus.
je sais pas d'où, à travers le mur. Rendu. À contact à gauche au fond du couloir là. Il s'est relevé le mec. Vas-y, push-le. Prends ton shield, Wolf, avance. Ouais, c'est rendu. Vas-y, va l'arrêter du coup. Allez. Dans la pièce, je watch. T'inquiète, on va gérer les autres portes là. Il y a plein de portes ouvertes là. Là, il y a un bureau ouvert. Hein. Ouais, c'est pas ce qu'il y a dedans. Rentre dedans, Wolf, il faut que tu rentres dedans. Y'a rien ? Y'a rien. Négatif, y'a rien, c'est la porte qu'on a à Wedge au tout début sur la gauche. Ok, ouais. C'est bon ou pas ? Ah, c'est bon pour moi, je vais arrêter. Ok, ici il va falloir le jouer, non ? Ok. Reste à gauche de la porte. Faites gaffe quand vous sécurisez les mecs, vous oubliez les armes. Moi j'ai pas grave ça, on s'en fout. Une fois qu'ils ont les handcuffs, ils peuvent rien faire. Mais on... Bah reste exactement... Ok. Reste légèrement à droite, que je puisse avoir accès à la porte en fait. Décale-toi. Ouais, c'est pas mal là. Ok. Et je vais reculer moi. T'es prêt? 3, 2, ouais. 1, je push, tu recules. Enfin, tu avances, pardon, excuse-moi. Bouge pas. Doucement. Je vais smoker au fond, préventif. Et en particulier, la petite pièce de merde là-bas. La smoke est parfaite. Okay. Allez, go, on push. Go. On s'arrête pas. Contact à droite, c'est fermé. L'autre, c'est wedgé. Tu pushes dedans. Y'a quoi dedans? J'ai pas de piège derrière la personne. T'es sûr? On est bon. Il y a rien. Ouh, il m'a fait trop peur. Vas-y, push dedans. Y'a pas de piège. Tu peux aller les rejoindre. Vas-y, go. Et j'ai une porte à gauche. Ouais. J'ai une porte à gauche. Salle de bain, faites attention. Ouais, y'a un otage dedans. Et dans la petite, une porte à droite. Faut que tu l'as. Moi, je l'arrête. Zerosk. Et après, c'est clair. La porte ferme là, à ta droite, non? Là, y'a voilà les portes, j'ai plus de watch. Faut que tu te mettes devant lui, que je puisse le traiter lui, Excel. Enfin, que je puisse le gérer. De toute façon, clair. On va clair les portes là, de toute façon, dans cette pièce là. Ouais, mais fais gaffe, y'en a plein partout, j'ai plus de watch, hein. J'en ai plus aucune. Hein. Vous êtes dedans là, Ouais, on est dedans, on est dans la chambre là. Ah, ok, bah. Et lui, il est pas géré. Ok. Non. Et la watch là, la porte, ça peut s'ouvrir à tout moment derrière, en face de moi là, la double porte. Non, elle est clear. Y'a plus rien dedans. La grande pièce. Ouais, la grande pièce. Ouais, on la clear. Ah, ok. Ok, y'a pas de piège, joue. Fais gaffe, y'en a un derrière. Ça tire? Je smoke. Ouais. Je smoke aussi, loin, proche. Ouais. Ah bah allez. Ouais, c'est sur nous, sur moi. La mienne est bonne. Ok, nickel. Ok, ouais, il a plus son arme. Il s'est rendu, je progresse. Allez, je suis derrière. Ça ouvre derrière vous, c'est moi ou pas? Non, j'ai rien dit. Négatif. Il y a une porte à gauche qui donne quelqu'un sur l'extérieur. Quelqu'un gère, Zeros, tu peux le gérer? Ouais, je vais le gérer. Y'a une porte en face de moi là, c'est la salle de bain. Y'en a un. À droite, je suis pas derrière toi, Wolf. Je stun. Après, j'ai une porte aussi ici. Hein. Après, ça ramène sur une porte wedge, donc c'est bon. Ouais. J'ai un otage sur moi. Vas-y, je mets toi devant la porte. Et y'a plus que l'extérieur. Clear, ici, attention à la porte là. Non, on a pas fait les chambres de l'autre côté à droite. Ouais, on les fera après. Il faut la wedger la porte ou la couvrir? Celle-là, elle est wedge déjà. Ok, je suis à l'extérieur. Non, celle-là, elle est pas wedge là. Ah non, ok, c'est pas toi, c'était Zeros. Ok, juste deux secondes. Je vais. Wolf, arrête de pusher tout le monde, s'il te plaît. Là, vous allez trop vite en fait. On n'est pas du tout là pour faire un. Donc on va recommencer. Et on n'est pas du tout là pour faire du speedrun, ok? On peut juste essayer de faire les trucs proprement et cool en fait. On n'est pas du tout là pour faire du speedrun. Vous avez déjà nettoyé la salle principale alors que on aurait pu la faire avec vous. On arrive, on fait les portes, une one by one, tranquillement. Il y avait encore des mecs qui étaient dans le couloir. C'est impossible que le mec qui soit dans le couloir soit géré alors que vous ayez aussi géré la partie principale, tu vois. Ce n'est pas possible. Mais en fait, quand le mec que t'as vu sur la porte qui était pas géré, il est sorti de la pièce quand on l'a unwedge pour la traiter. Et la pièce principale, on l'a traitée parce qu'il y a deux mecs qui sont sortis de celle-là et elle est ouverte et on les avait traités, donc on est rentré dedans vu que D'accord, mais il y a quand même toujours la possibilité. Enfin, le mec est toujours pas traité à la porte que vous êtes déjà en train de négocier une autre porte qui pourrait déjà être wedgée. On pourrait se retrouver tranquillement et on se retrouve, tu vois. Plutôt que de toujours y aller en mode forward, quoi. Là, vous étiez parti sur le balcon. Là, à l'autre bout de la pièce. Alors que contact à droite, au niveau du lit, il y avait une porte, en fait. Et c'est la cacophonie parce qu'on n'est même pas en train de discuter de qui est-ce qui peut gérer cette porte-là, please.
on y va one by one, on y va tranquille, ou alors si on y va en mode... Si c'est pour faire du speedrun, ça sert à rien. Yes. Alright. Et du coup, qui a assez de wedge? Parce que moi, je dois en avoir 3 en fait. Moi, j'en ai 4-0. Yes. Wolfie, en as-tu assez? Je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 3. C'est par 2, non? Si t'en as 3, si t'en as 3 dans tes slots, t'en as 6 du coup. Ah ok, bon bah j'en ai 6. Hein. Okay. 4 ou 6. Donc à un moment, là, quand on est plus regroupé, à un moment, quand on se descende, là, Wolf, tu prends le lead du groupe de 3, et après, quand il n'y a plus besoin, quand on s'est retrouvé, etc., on gère les machins, on verrouille les trucs, on prend les armes qui sont au sol, et on discute du prochain carré. Le truc, c'est juste, tant qu'on n'a pas... Quand on a résolu le carré, enfin, on y va carré par carré, quoi. Ouais, on fragmente. C'est aussi quoi. Simple. Là, exactement. C'est là, grand. La fragmentation, c'est qu'on est obligé, effectivement, de se séparer parce que c'est un grand cercle. Et voilà. Mais c'est pas normal que vous soyez en train de négocier une des chambres et une chambre dans la chambre et que vous me dites que vous avez déjà négocié la partie principale du milieu alors que nous, on est encore en train de gérer un bonhomme qui s'est relevé que vous avez arrêté en face de vous. C'est pas possible. Ouais, ok, ouais, je vois. Donc on y va et on fragmente et let's go. Vas-y, go. Pas de piège. R à droite. Okay. Ça vient à gauche, ouais. Je crois. Ça marche. Pareil que tout à l'heure. Smoke à gauche et à droite. Tu peux smoker à gauche, du coup, Zeros, t'es devant moi, poulet. Ouais. J'open. Et vas-y, bisous à droite. Hein. Je smoke à droite. Ouais. Ça touche à gauche. Ça touche à gauche. Let's go. Top. Vas-y, Excel. T'es ouvert à gauche. Contact à gauche. Je ferme. Accroupi. Je crois que je vois que d'elle. Accroupi, c'est pas grave, on s'en fout. Faut wedge à droite, vas-y, Zeros. Je flash, je smoke, loin. Attention, c'est wedge derrière nous. C'est ouvert à droite, ouais, c'est vas-y, va fermer à droite. Il est en face, il s'est relevé. Go, Wolf. Ferme à droite. Je smoke en privatif. Vas-y. Okay. Sur moi. C'est bon, c'est rendu. Ouais, bah essaye de gérer tout seul. Y'a rien dans le couloir au fond. Ah oui, t'as un. Tu peux fermer la porte contact. Ou pas? Je le vois pas. Nice. Il est tout au fond du couloir. Allez, wedge, poulet. Tu le gères? Il est tout au bout. Ouais, c'est bon. Okay. Je sais pas s'il est smoke. J'ai mon bras gauche qui est rouge. Je le vois pas. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Non, je le vois pas. Ouais, il a dû bouger. Tu reprends. Je vois rien du tout. Il doit avoir une porte sur notre droite. Hein. Il faut la wedge. Quand dès tu que. Veux. Main courante à droite, fais gaffe. Ok, je l'ai en visu, il s'est rendu. Il s'est rendu, nickel. À ma gauche, j'ai la porte centrale et à ma droite, j'ai une porte aussi. Pour toi. Je vais wedge à gauche. Ça part, il y en a qui s'est rendu, j'avais pas vu. Ouais. Vas-y, go. Oh, juste derrière la porte. Ok, j'ai wedge. Ah, wedge là. Ok, wedge. Sur moi, il y en a un. Attention, on arrive à votre rencontre, on est sur votre. En face de vous là. J'ai plus de wedge, hein. J'arrive pas à la wedge. C'est marqué dans. Si, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. On est en face. Si vous voyez ma torche, mais on est derrière le distributeur. Ça tire. Ouais, au fond à gauche. Ok, je smoke. Il y a une torche qui part, mais elle est pas terrible. Attention. Tu smoke. Excel, tu peux le tenir en joue lui. Suspect is secure and ready for transport. Lequel? Il est là. C'est bon, je vais là. Je vais le chercher. Ils tous sont à gauche là. Ils tous à gauche. Il est rentré au fond dans l'escalier, dans la trappe d'escalier. Il est à gauche là. À ma gauche. Ouais, à gauche. Hein, attention. Il s'est rendu. Je vois rien du tout. Je connais pas. Fond, porte au fond. Ouais. Comment c'est clair. Ok, il s'est rendu. Je le prends. Okay. Je m'en occupe. Vas-y, tu peux y aller avec eux. Je vais sécuriser la cage d'escalier. Yo tout le monde, comment ça va tout le monde? On fait quoi? Viens Wolf, je pense on va fermer l'escalier et on va traiter tout l'étage, non? Ouais, l'escalier c'est clair, on peut fermer. Et merci Jokes pour les 16 mois. De toute façon, c'est un client que ça que l'escalier. Wolf, j'en ai plus moi. Ouais. J'en ai. Vas-y. Genre vraiment des monstres. Ok, wedge, escalier, c'est bon.
Bon, normalement, tout, c'est tout bon. Lui, nous, il est 1, 2, 3. Nous aussi. On a tout wedge sur notre passage. Nickel, on joue quoi du coup? Bah là, on commence milieu. Toi, tu veux quoi? On fait une 3-2 sur le milieu, vous tapez comme tout à l'heure là à droite et nous on va de l'autre côté. Ouais, faut faire gaffe parce que de l'autre côté c'est un petit KGB. Hein. T'ouvres la porte, c'est un petit KGB qui donne sur après la grande pièce. Eh ben autant partir à la limite au niveau du. Vous tapez au niveau du bar à 3. Tapez au niveau du bar à droite. Là, let's go. Ok. Ah, il y a une autre porte, il y a un autre accès. C'est celle où ils sont sortis tout à l'heure. Ok. Ah bah du coup, je savais pas du tout qu'il y avait un accès là. Nous on tapera là avec Excel, on tapera là. Ok. Et vous ici. Ça c'est le bar. D'accord. Ça. Là c'est une petite pièce, ça part vers la gauche. Ouais, donc au moins c'est plus ça. Simple pour négocier. Ouais. Par contre j'arrive pas à le wedge celle-là. Lui je. Quel jeu de la déwedge au pire. Ah Pierre, au pire vous tapez dedans. Au pire vous tapez dedans avec le bélier hein. C'est bon, c'est le wedge. Ok bah nickel. Vas-y mets-toi Wolf. Attention je pique. Y'a pas de piège. Ok Excel. Je vais unwedge, fais gaffe ça peut sortir à tout moment. Ok c'est ouvert. Attends, tempo Wolf. Ça donne sur la salle. On est dans le KGB. Ouais, vous nous dites quand vous tapez dans la zone, dans la salle principale. Je suis on sur toi Zerosk. Ok, bah nous on va commencer à ouvrir la salle principale. Vas-y essaye de l'ouvrir tout seul. Y'en a un qui peut smoke la salle principale. On peut pas l'ouvrir avec le shield non. Bah, tu peux le smoke. Tu peux pick. Smoke qui part. Et tu peux le pusher physiquement après. Ok, je pick. Et tu te pushes doucement. On pêche la salle principale. Ok, vas-y. Okay, le bar, c'est go à gauche, à droite, go à gauche, c'est clair. Excel. Top. Go, gauche. T'arrêtes pas. À droite, c'est clair. Personne clair à gauche. C'est clair à droite. Droite, c'est clair. Et tout au fond, c'est clair. Pour milieu, vous. C'est clair. C'est bon. Parfait. Nickel. Ok, c'est sûr. Piège, hein, on sait jamais. Oui. Bon, là, il y en a pas théoriquement, vu qu'on était de l'autre côté. Unwedge et ouvrez tout. Unwedge tout et ouvrez tout. Checkez vos munes. Merci Srender pour les 29 mois, t'es un monstre poulet. Et comme tu veux. Quelle est celle que vous voulez? Tout à l'heure, ça se redonne au même endroit là, c'est pareil, si ouais, on fait 3-2, c'est bon, pas en fait, trop elles mal sont... Toutes ces pièces là, il n'y a pas de séparation, c'est à chaque fois ça enchaîne sur les... Mais de l'autre côté là-bas, il y a des pièces qui sont solo, ça doit être des petites pièces hein. Ou je sais bah, pas tout, comment tout se rejoint. Tout se rejoint, donc si on ouvre une porte, on peut traverser tout le long sans ouvrir celle qui donne sur le couloir en fait. Ouais mais celle qu'on a wedge là ici. De ce côté-là, je suis pas sûr qu'elle se rejoigne avec celle-là. Hein. Si, elle se rejoigne, il y a des couloirs entre chaque chambre et elle ramène tous au même endroit. Donc on peut ouvrir que d'un côté, on passe tous au même endroit et on avance en parallèle du couloir. Non, je suis pas sûr. Moi je pense que là on tape à 3 ici la porte que là où je suis et Six et Excel vous tapez la porte devant laquelle et on se rejoint quoi. Comme tu veux. Je pense que c'est judicieux. Là, la porte qu'on a nous en face de nous, Wolf et Zerosk, c'est la chambre là où t'as push le. Non, mais le autrement, si, c'est un, si au final toutes les chambres se suivent les unes avec les autres, les unes après les autres, autant les taper comme un énorme couloir à 5. Hein. Et moi, honnêtement, je suis pas sûr que les deux autres elles se rejoignent. Hein. Là à droite, il n'y a pas de porte. Au pire, hein. On revient dans le couloir et on refait le même truc quoi. Le but du jeu, c'est juste d'être comme un liquide quoi. On rentre dedans et derrière, au moins, on a la possibilité. Si Wolfie fait le train là, comme tout à l'heure, moi ça me dérange pas. Le seul truc, c'est que derrière, il faut pas nous laisser trop de wagons en fait. Et il faut pas qu'on nous dise bah la porte elle est pas gérée, il y a un bonhomme qui est pas machiné, hop, c'est bon, le train s'arrête au final. En revanche, si derrière, bah, la porte elle est gérée, c'est bon. Le dernier Zeros qui s'occupe du bonhomme, c'est bon, je m'en occupe. Bah, moi je m'occupe du prochain. Bon, bah, le train il peut continuer quoi. En fait, c'est ça l'idée. Vas-y, bah, on fait ça, on fait comme tout à l'heure. Vas-y, j'ai un wedge pour toi, Wolf. Vas-y. Ça peut ouvrir, attention. Tout à l'heure, il y en avait un juste close à la porte, donc ouais, fais gaffe. Il y avait son arme. Ouais, mais c'est pour ça, je suis prêt en smoke. Mais bah, au pire, claque un coup de bélier là-dedans là. J'ai pas de piège. J'ai Zerosk, non. Fais gaffe, Zerosk. Par contre, ouais, dès que t'as wedge, dès que t'as bélier, tu décales. Vas-y. Allez, 3, 2, 1. Top. Ok, y en a un au sol. Y a une porte à gauche fermée. Contact à gauche. Je smoke. Ah, bien joué. Il s'est rendu. C'est pas grave, la smoke est toujours fermée. Porte à droite. Claire à droite, porte à gauche. Il faut une équipe à gauche. Porte à gauche derrière, attends. Attention, y a un piège à droite. Ouais, on a de la porte est gérée derrière. Allez, okay, Excelsior, reste au fond. Devant, passe devant toi. Au fond, gère là cette deux porte heures. Là. Il y a une porte au fond à 2 heures. Faut la gérer wedge. La porte là. Zerosk. Moi je gère la porte au fond là. Faites gaffe au piège hein.
Zero, c'est un piège à tes pieds. Ouais. Ouais, voilà. Attends, je cherche le... Y'a rien d'autre autrement ? Si, si, y'a l'arme à récupérer là au fond sur la table. Ouais. Je la récupère. Ah, y'en a une aussi. Tac, on est bon. Ouais, c'est bon. Ça... Je m'en allume. Ok. Baizu, tu la wedge la porte en face de toi ? Non, j'ai plus de wedge, ouais, mais je la tiens. Je la wedge. Bon. Vas-y, j'arrive pas. C'est les piégés. Je la wedge ici. Fais gaffe parce qu'il y a une porte à droite aussi, je sais pas ce que ça pareil, devient, on la clear comme ça c'est fait. Porte, Ouais, Zerosk, parfait. Excel, ce que tu peux faire en fait, c'est te mettre juste à côté de lui. Toujours. Ouais. Excel, à droite de l'épaule, à la droite de l'épaule sans le gêner. Parce que lui, oh, il va reculer au final. Comme tout à l'heure là, comme ça là. Non, à droite de l'épaule de celui qui tape avec le bélier. Parce que lui, il recule et s'il y a un mec qui sort en mode hystérique, tu le bloques. Juste à droite en fait, au niveau de son épaule droite, de l'épaule de celui qui va taper le bélier. Devant. De son épaule droite. Ouais, parfait. En gros, c'est nice. Ça. Ok. Et... C'est bon pour vous ? Ouais. 3, 2, non, 1... Non, surtout pas. Le piège est dépiégé, hein. Ouais. Y'en a un autre de l'autre côté ? Non, c'est impossible. Enfin, bon, après, ok. Ah. Ok. Vas-y, c'est bon, tu peux. Ah. Parce qu'il y a des capcans ici. Vas-y Wolf, te mets-toi. Excel, c'est bon, tu peux te reculer. Vas-y, ou vas-y, 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 te retourne jamais. Je smoke au fond. Au cas où. Et attention aux portes à droite et à gauche. À gauche, la smoke la est un peu ratée, elle est avec nous. À droite, j'en ai un. À droite, j'en ai un. Ok, la smoke est bonne. Excel, à passe droite, devant. À droite, j'en ai un, je continue tout droit. Comment ? Non, t'es bien. Ok. Allez, go, c'est un otage push, à droite. Action, allez, top. On ne laisse pas aller tout seul. Je prends. J'ai beaucoup de portes au fond là. J'ai beaucoup de portes aussi, faut me prendre les portes là. Je prends le mec, ouais. Je prends le mec à droite. Porte devant le mec à droite. Sur le balcon devant. Ok, c'est clair au fond pour moi. Je wedge la porte et je prends le mec. Elle est wedge là, elle est wedge. Excel, la porte là. Fais pas rien, si tu fais rien. Je wedge la terrasse. Bien joué. Let's go, Excel. Là. Elle est confirmée la wedge là. Ouais, il a fait disparaître. Fais gaffe, je crois qu'il y en a un derrière la porte. Zeros, tu le suis, Excel, tu le suis. C'est la porte. Laquelle ? Elle est censée être ouais. Dehors, sur la. C'est dehors, ça tire. Il y a un balcon, il y a un balcon qui s'est rendu dehors. Je smoke en prévention. Sur la terrasse, il y en a deux. Zerosk, prends la lune de la porte que je viens d'ouvrir. Please. On l'a fait vite fait. 3, 2, 1, top action. Vas-y, sécurise les balles. Rendez-vous dehors. À droite, rien. Ouais, c'est bon dehors. Dehors, c'est clair. Ok, clear. Clear, c'est bon. Qui a pris un piège là ? J'ai pris un piège, fuck. Oh non ! Merci Fox Trottinette pour les 5 mois. Merci Accélère pour les 19 mois, t'es un monstre. Pourquoi t'as voulu aller dehors, Excel ? J'ai juste push un peu trop la porte, c'est tout. Mais bon, t'as. Ok. Et on n'avait pas dit d'aller dehors, ça sert à rien d'aller dehors. Il s'était rendu dehors, en l'occurrence. Ouais. Du coup, toutes les pièces sont communicantes au fond, on n'a pas besoin de retourner dans le couloir. Non, là c'est bien, là, comment on le fait, c'est tout. Elles communiquent pas avec celle de droite en fait, c'est bien ce que j'ai regardé. La porte qu'il y avait à droite, Golf, c'était celle du couloir. Et en fait, si tu sors dans le couloir, il y a deux autres pièces qui doivent communiquer entre elles. Mais là, ce qu'on a clear, tu peux pas clear les deux portes sans les ouvrir du couloir. En fait, il y a deux portes qui donnent sur le même endroit. Mmh. De chaque côté, quoi. Ouais. Vas-y, j'explique. Poussez pas trop dans la grande pièce avec le piano. Nous, tout à l'heure, vous nous avez laissé avec un bonhomme et trois portes à gérer, en fait. Mmh. Je pense qu'il faut pas pousser dans le piano, en fait. Ouais, on va faire ça. Ok, Wolfie ? Ouais, c'est clair. Au piano, pas pousser ? Non. Bah en fait faut que je prenne au fond si je prends pas au fond. Bah si ça vaut, je sais bien, mais au final derrière tu nous laisses avec la possibilité que des mecs sortent de deux portes. Des on les gère vie, vite ouais. Fait tu vois. À la limite tu peux établir même s'il y a comment dire il y a une espèce de passage au niveau de ce piano. Tu peux très bien te mettre au niveau de ce passage en disant bon je vais pas plus loin au final. Même si effectivement on aimerait, parce que le truc c'est la même chose. Si c'est la salle dans laquelle on va, elle fait la taille d'un terrain de foot. T'es obligé de t'arrêter à la moitié du terrain. Tu peux pas dire ah bah ouais mais bon moi tant que le terrain de foot il est pas complet voilà. Bah ouais mais nous derrière on a 5 on a 6 7 trucs à gérer au final. Donc ça sert à rien, tu vois. Okay. Donc faut pas hésiter à se mettre au niveau d'un passage de porte en se disant bon j'avance pas plus loin, qu'est-ce que ça donne derrière, maniez-vous le cul quoi. OK, comme tout à l'heure. Smoke à droite. OK. Smoke à gauche. Vas-y.
Wow. En avant, j'ai une smoke dans les mains, c'est pas génial. Excelsior, vas-y, go. Là, contact à gauche, pas de problème. C'est bon jusque l'angle à droite. Te tourne pas, Excel. Personne dans le couloir. Attends deux secondes. J'ai balancé une smoke au fond. Ok. Va prendre l'info à droite. À gauche, à droite. Fermé, ouais. Porte fermée. Ouais, d'accord, ça veut pas dire wedge, attention. Ouais. Le mec, il peut pusher à tout moment. Vas-y, Excel, continue. Les deux portes sont wedge à droite. Continue. Ouais. Moi, j'ai wedge. Stop. Reste contact. La s'il te porte là à gauche. Reste là. Main courante à quelque wedge, chose. Jamais au milieu. Main courante okay, à un mur. Ah non. C'est juste de la logique. Moi, je suis derrière toi en fait. Regarde où je suis. Ok, je suis rendu. On a l'info sur le T. Go. Avance, commence à avancer. Rendu. Encore. Porte fermée. Les deux portes sont fermées. Fais ma courante à droite encore, parfait. Je vais devoir les wedger ces portes là. Je vais à l'an. Vas-y, okay. Avancez tous les deux, je wedge à droite. Ouais, c'est bon, il est à droite, fais gaffe. Oh putain, le timing. Je vais smoker au fond, Excel. Ok, j'ai la personne à gauche pour l'instant. Vas-y, coupe, vas-y, ma courante à gauche maintenant. Ok, j'en ai deux dans l'angle, je m'occupe de l'angle. T'arrêtes plus. Allez, wedge la porte. Prends l'info à droite. Prends l'info à gauche. Ok, il y en a deux là. Ouvert, Thomas. Ouais, mais recule, désengage. Ouah, doucement, vos grenades, c'est nous, hein. Non. Tu wedge à gauche. Recule, on t'a dit. Attention, il y a un piège à droite. On en a un, les gars, on en a un au fond à droite. Un qui a arrêté, c'est bon, lui. Un au fond à droite et un où il y a les doubles portes de merde, là. Garde-le en joue, l'autre de gauche, Excel. Ah, je l'ai en joue. Reste là, t'es bien. Non, okay. T'avances pas. Suspect in custody, ready for transport. Et la porte de derrière elle est pas gérée donc je peux rien faire moi. T'as pas de wedge, Excel? Non, j'ai que de lacrymo. Et de lacrymo tu l'utilises? Bah du coup non. Ah voilà. Et c'est okay, ouvert là, c'est ouvert sur moi. Smoke ou quoi? Je smoke. Ah j'ai smoke dedans moi. Bah c'était pas cette porte là mais ça. Ouais non mais t'inquiète, comme ça au moins il te sort pas dessus parce que c'est ouvert à gauche. Vas-y, ok, il est rendu à droite. Allez Excel, go. Ferme la porte et wedge là, ferme la porte et wedge. Gère le Excel une fois lui là. Ok, on est avec vous, on vous a rejoint. Ok nickel, j'ai besoin d'être sur une porte derrière après. Oh putain ça te dégage. Wolfie vite fait. Bon, tout est wedge normalement. Ok, c'est okay wedge. J'ouvre pour toi. C'est wedge ici là. Attention aux pièges, les mecs, y'en a pas mal. Ouais, y'a plein de pièges, j'en vois pas. Non, on y va, on tape dedans. Vas-y, mets ton shield, Wolfie. Wolfie, Zerosk, tu suis. Excel en 3 et moi en 4. 3, 2, 1, top. Allez, go, on s'arrête pas. Porte à gauche. Je fais la même chose. Attention aux pièges. Pas de piège. Y'en a pas? 3, 2, 1, non, top. Go. On va tout au fond à gauche, tout au c'est fond clair, à gauche. C'est clair, y'a une porte à gauche. Ouais, vas-y, faut y aller dedans. C'est Rosk. Arrête-toi, Excel. Ok, c'est clair pour moi. Vas-y, rentre dedans, hein, Wolfie. Ah, c'est clair, y'a rien, c'est un cul-de-sac. Hein. Ils s'accroupissent maintenant, les mecs, hein. Et ils se mettent sous des lits, hein. Je sais pas si tu sais. Ils se mettent... Ah ouais? Ouais, ils se mettent sous des lits, dans des placards, accroupis. Dans des placards, hein. Donc faut vraiment faire gaffe. Derrière les portes. Ouais. Il y a une porte là, c'est wedge. Ok, ça c'est bon. Non, c'est... Bah, dès que c'est wedge, ouais. De toute façon, ouais, c'est ouais. Bon, tu l'as des wedge et on y va. C'est toi qui es derrière la porte, Six? Ouais, c'est bon. Okay. C'est pour vous. Allez, en avant. Je sais que ça peut être lourd, mais autrement, si on fait pas le truc et on se dit non, ça va, ouais, non, mais ça va. On va dans 4 heures, ça va faire comme samedi dernier, on aura fait qu'une mission. Parce qu'au final, à chaque fois, on fera non, mais ça va, ah ouais, mais merde, le piège, ah ouais, mais merde, machin. Donc soyons un peu nazis sur les bords quoi. On fait comme tout à l'heure là, on prend les deux portes là-bas et on clear le middle avant de clear... Merci Fox, trottinette et accélère, vous êtes des monstres. Ouais, on clear le middle. Ouais, je pense que c'était pas mal. Et dans votre bar, vous étiez bien? Ouais. Ouais, on des deux côtés en fait, droite et gauche, c'est plus efficace. Ok, ouais, c'était pas trop mal là. Quand vous nous dites de taper dedans, nous on tape au milieu donc on est parfaite. Hein. Excel, mets-toi au niveau du coin là, de là où je suis là. Non. Ok, vas-y. Je déwedge et je recule. Attends. Et je vais pique. T'as des wedge, ok. Ouais, c'est bon. Non, doucement. Attends, inverse. Vas-y.
Ah, vous m'avez pas peur, ok. Je te pas trop près, Axel, si le mec il ouvre la porte, okay, tu te retrouves derrière la porte là. Tu peux la push. Je me sers à rien. Reste là où t'étais en fait. Ok, je suis dans le train là. Ouais, t'es bien, passe-toi. Regarde-moi. On regarde-moi. Est dans le closet. Voilà. On est prêt à rentrer dans le bar, non? Ok, bah allez-y quand vous voulez, vous. Vas-y, tu smokes, Zerosk. Dans le bar? Ah, dans le bar, ok, ça marche. Tu. Ouais, je vais dire quand je vais aller, Axel. Smoke comme tout à l'heure, smoke comme tout à l'heure, on sait jamais. Pas de piège. N'oubliez pas les pièges. Je rentre. Non, ouais. non, tu rentres pas, tranquille, pousse la porte un peu. Ok, smoke on. Pousse. Et vas-y, par à gauche. Clair à gauche. Clair à droite, clair au centre. Clair à droite. Attention au placard. Ouais. On est bon. Les armoires de merde là. On est avec vous là. Elles sont bonnes. Ok, nickel. C'est pas une porte. Ok. Oh, ça parle. Ouais. Y'a un mec juste ouais, en face. Dans la porte c'est... en face, y'avait un mec. Ouais, ouais, okay. Il est. Toi, il s'était neutre, mais il s'était rendu, mais. Lui, je vais l'enlever, lui. Oh là. Ouais, il crie là. Il est pas content, je lui touche la rondelle. Petite inspection, je fais tout. Ok. Médecine du travail, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est derrière, celui qui est derrière moi, dès que la porte s'ouvre, tu balances une smoke. Non, dès que la porte est ouverte. Non, Zerosk. Ouais. Ouais, il est juste derrière la porte. Wolfie, approche-toi, poulet. Approche-toi un peu, j'ai peur. Il s'était rendu, okay. Mais je pense qu'il a dû se rendre. On fera la même chose que la dernière fois. Je me mets au-dessus de Wolfie, ok. Et au final, tu tapes avec le bélier à gauche, tu taperas avec le bélier à gauche, et je balance une flash contact dans le plafond, direct, en instant, okay. En fait. Et ça passe tout le temps. Ouais, mais j'ai peur parce que j'ai vraiment collé à la porte. Hein. Ouais, mais lui, s'il la prend, on s'en fout. On lui mettra pas une brutalité de toute façon. Et derrière, Excelsior, tu passes en deuxième et on inverse. Baizu, tu passeras en troisième juste derrière Excel, ok? Mets-toi derrière lui, s'il te plaît. Il va me tuer. Non. Et Wolf, tu pars en troisième, hein. Please, pas direct. En trois? En trois, tu pars en trois. Je partirai avec toi en quatre. Attends, ok, je balance une flash instant, hein. Donc, quand tu veux, Zeros, 3, 2, 1, top. Je smoke derrière. Go. Et pas toi, Zeros, pas toi, Zeros, pas toi, Zeros, t'es pas un shield. Go, Excel, go, Excel, Excel, go, 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 go. Au fond, au fond. Go. Vas-y, Excel, avance. Go. On s'arrête pas. Tu t'arrêtes pas, Excelsior. C'est pas à toi de le faire. Zeros, tu les gères? Ouais, je prends le premier. Voilà, c'est ça. Les portes maintenant. C'est clair. Claire, les portes. Et c'est la salle de bain qui est derrière, je crois. Eh non, pas bon. Putain. Ah, je te dis, t'as 320, elle est trop proche. Non, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est celui que je viens de faire là. C'est celui qui c'est le deuxième. C'est celui qui était à votre droite là. Ouais. Je suis sûr de moi. Mais nous avons en eux, il faut que je parte dans un quart d'heure, donc je sais pas si on aura le temps de finir. Et je suis quasiment sûr que c'est le spray de Zeros que quand tu t'es décalé que tu lui as tiré dessus. Talk to entry team. C'est très rarement, je déclenche avec une flash tirée dans le plafond. Voire c'est jamais non, arrivé je pense, en fait. Je pense que c'est celui au fond quand je décolle, oui. Il avait pas tiré, ouais. Et celui de devant a peut-être pris un spray dans la gueule alors qu'il était rendu. Ouais. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Bon, c'est pas grave. Comme tu veux, Zerosk. Ouais, du coup, non, je vais pas. Si jamais on va plus loin, après je vais être obligé de vous abandonner, ça va être chiant. Mais non. Deux secondes, Wolfie, please. Ouais, faut que. Ouais, la fin, j'y allume, tu vois. Ouais, il y a zéro RP avec Wolfie. Ce que je fais, c'est que je vous laisse là, puis je pense que je reviendrai plus tard. Ouais, ça marche, Zerosk. Ouais. C'est parfait, poulet. Vas-y. A tout à l'heure. Plus. Je sais pas s'il y a du monde qui joue à Redernote qui veut compléter la 5ème. Bon, on refait la même chose, du coup, ça change pas des masses. Mis à part peut-être taper un bélier. Non, on peut revenir peut-être au lobby quand même. Retour au lobby. Je vais prendre un bélier moi et je vais rajouter des wedges parce que. Ouais. Bah, du coup, je prends des wedges à la place de mes. Oui. Ouais. Vas-y. Bah, j'ai pas de bras. clairement, les wedges, c'est primordial. Ah ouais, bah là, sur cette map, bah, je la connaissais pas, mais. Du coup. Je la connaissais vite fait, mais. Il s'est passé quoi de mal? Rien en fait, le truc c'est qu'on essaie de faire l'émission en S, donc au-dessus du A+, et en S y a pas, tu peux pas avoir des trucs de brutalité policière, tu peux pas avoir des morts, tu peux pas avoir des... c'est très compliqué.
Bon, c'est moins dur que ça l'était à l'époque où Wolfie, par exemple, on jouait, où c'était vraiment là très compliqué parce que tu pouvais pas prendre un dégât non plus. Et les bots étaient très très durs. Là, ils sont plus fers, les mecs. Ils tirent bien, mais c'est pas non plus une rafale dans une pièce de 5 euros, quoi. 8 smoke, 8 wedge. Ouais, bah, faut pas hésiter. C'est parfait, ça. Je peux prendre que 3 par contre, wedge. Ouais, bah, c'est parfait, poulet. C'est mieux que la gazeuse qui servira à rien, au final. Si t'as 3 wedge, ça t'en fait 6. C'est doublé. C'est plus intensif que quand j'y joue tout seul ou avec des potes. Bah ouais, et puis déjà tu joues en létal. Problème. Ouais, bah j'ai fait une en létal. Jouer en létal, t'arrives, tu tires sur tout le monde, tu récupères B+, t'es contente. Ah, j'essaie d'avoir du A+ en général. Ouais. L'hôpital, je vais faire un A+. Non, mais c'est hyper mais simple. Mais du coup, ouais, c'était simple. Put your hands up. Il tire dessus, tu réponds, tu lui balances une rafale, tu sais. Bah, c'est que si tu tires dans les jambes, tu le tues pas forcément, le mec. Ouais. Et du coup, je vise. Bah, des fois, je vise la tête, mais sinon, c'est les jambes. Il tombe en fait, par terre, après avoir joué en non-létal, si tu joues en létal, le jeu, il te semble mille fois plus facile déjà qu'il semble beaucoup plus facile qu'avant. Bah, ouais, moi, je. Enfin, bref. Du coup, en avant, on est bon. Excel. J'arrive. Hop. Ah, pardon. Ok. Par contre, Zou, c'est normal ton gilet anti-stab ? Comment ça ? J'ai pas de gilet. Moi, j'ai la même chose, là. J'ai quoi ? Je crois que je suis Megalite. Il est en anti-stab. Ouais, vous jouez en Megalite ? Bah ouais. Bah, l'habitude de pouvoir en emporter plus et de... Bah, si on meurt, quoi. Bah, moi, je suis en Robocop. Quoi, les autres ils ont un gilet là ? Vous avez un gilet ? Nous on est en gilet lourd là. Ah ouais ? Bah ça sert à rien. Bah en vrai maintenant avec les modifications, oui. C'est juste qu'on avait mis l'anti-stab au moment où on jouait en mode c'est soit tout soit rien de toute façon. Ouais, oui, c'était dans la boîte de nuit et on partait avec 15 smokes des fois, c'était... Bah ouais, ça permettait d'avoir un emport de ouf. Ouais. Du coup... Bah en avant. Il est petit. Attends, qui est-ce qu'il manque quelqu'un ? C'est moi, je l'ai pris du coup. Quand j'ai pris des wedges, genre... Voilà, je comprends. En fait, je comprends pourquoi. Les gens, ils ont moins de stuff, il n'y a pas beaucoup de smoke, il n'y a pas beaucoup de wedges. Ils sont là, ils sont blindés avec de la céramique et ils ont pas de stuff. Bah ouais, à part ça. Ah ouais, merde. Bah t'es à 11 slots normalement avec quand t'es en Robocop. 11 slots, c'est pas beaucoup. 9, moi là, j'ai 8 smoke, 8 wedges. Et 3 chargeurs. Bah là, enfin bon, après j'ai pris le truc, mais j'ai du coup. 7 grenades et 8 wedge. 10 flash voilà. et 13 grenades, je pense. Que, ah la vache. Ah, moi je suis en full support. Bah oui. Plus 2 tasers. Du coup, bah en avant. Allez. C'est là, c'est la bonne. Toi j'ai gardé mon chine du coup. Ouais, j'avoue, le taser. Mais même moi maintenant, il chie dans la colle, on va pas se mentir. Ok, bon bah même que tout à l'heure, ce sera plus simple peut-être. Bon, pas du A1, du coup, du 2-2, pardon. Hein, quoi ? Chaque 2 de chaque côté, non ? Oui, pareil, ouais. Bah là, c'est bien que vous ayez récupéré du stuff, ça permettra de compenser l'absence de Zeron, parce qu'il en emportait quand même pas mal aussi. Ouais. Talk to entry team. Entry team, suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Il y a pas de piège, je peux ouvrir. Ouais, c'est vrai que j'oublie. Six. Oui. Non, je le T. Ok, c'est bon. Y'a pas de piège. Tu peux ouvrir. Je smoke à gauche. 3, je smoke à droite. 2, 1, top. Et on réfléchit pas, on y va. Go. Allez, excel. Ok, j'ai un mec au fond à droite. Il s'est rendu. Vas-y, je prends l'angle. Vas-y. Wedge la porte avant de faire le mec. T'inquiète. C'est fait. La porte est fermée, j'y vais. Il avance un petit peu. Oui. Vas-y, continue.
On s'est fait tirer dessus, je sais pas d'où. Ouais, ça tire à travers les murs, je crois. À travers les murs. J'avance, commence à droite. Je pense à. Ah ouais, j'ai la porte de gauche aussi. Ouais, t'inquiète, c'est fait dès le début. Vas-y, Excel, vas-y, Excel. Quelle vas-y, rapidité. Vas-y, Excel. Regarde devant moi. Ouais, vas-y, continue. Coiffe-le. Fais gaffe à la porte. Vas-y, fais la porte. Je me suis pas arrêté. Sur moi, sur moi. Recule. Vas-y, viens sur moi, Wedge. Il s'est rendu. Il s'est rendu. C'est Wedge. Doucement, Excel. Doucement, Excel. La porte, devant. Ouais, bien joué. Très bonne smoke. Excel, c'est recule. Ouvert à gauche par contre. Ouais. Je vais le smoker. À droite, c'est ouvert, c'est là. Il y a du contact, il se rend. Il a pris. Excel, tu vas pouvoir y aller. T'arrives à pousser la porte en bois là, à gauche. Que ça soit fermé. Couché, toi. Et là, d'en bas. Oh merde! On va la faire à droite. Je suis à droite, les gars. Oh, ok. Au fond. Je la wedge. Il s'est pas rendu. Vas-y, j'essaie de fermer celle-là. Il me tire dessus, je les regarde. Je le smoke et tu vas pousser dessus. Ouais. Je le smoke, la smoke part. Ok, on est bon. Il s'est rendu. La smoke est partie. Rendu, ça veut dire au sol. Hein. Au sol. Et je m'en occupe. Attention, il y a une porte à gérer ici. Ah, j'ai Lucky Luke des wedges avec moi. Ouais, c'est parfait ça. J'ai une porte à gérer, les amis. Je wedge l'escalier. J'arrive. Je reload mon taser. Wolfie, shield. Tu me dis. Ah, attention. Possibilité de piège. Vas-y. Tu piques, je te dis. Je te dis quoi? Ok. Négatif pour le piège. 3, 2, 1, top. Ok, porte fermée. Ouf. Attends, je me mets juste là. Négatif pour le piège. 3, 2, 1, top. Go, 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 je push en 2. Vas-y. Push en 3. Ah! Vas-y. Vas-y Wolfie, t'arrêtes pas, je suis derrière. Nickel. C'est bon pour moi. Impact, t'avances. Nice. Checker les charges. Genre. Charge, heure. Il est 18h09. C'est Wedge la porte? La cible de la porte. Oui, c'est celle que je vois, parce qu'elles sont les deux à gérer, elles sont chiantes. Et on a souvent du monde dans le couloir. Ah okay, bah du coup, on peut retourner nous, barre. Oui. Ouais, on va faire ça. Oui. Are you fucking kidding me? Yeah, bro. What are you? Ah, ça c'est Wedge, c'est parfait. Oh, voilà. Tac, comme ça. Vas-y. C'était génial hier avec les héros. Ah, ça fait plaisir. Bah, il y en aura tous les samedis, les amis. Laisse-moi avancer. Jeune Wedge. Je pique, dis-moi s'il y a un piège. Attention, ça y a peut pas sortir. De piège. J'entends peut-être du monde à l'intérieur, les mecs. Pas sûr. Reste là, Excel. Bouge pas. On est dans le closet. Nom de Dieu. Me tape pas, s'il te plaît. Si vous voulez la smoker ou quoi? Parfois en prévention ou vous voulez y aller? Ouais, prévention. Vas-y. Je smoke le bar, moi. Oh, bon. Ok, bah smoke le bar, comme ça nous on part à gauche comme tout à l'heure. Excel, vas-y. Ouais, elle est bonne. Allez, go, on est dedans. Allez, push, vas-y, go. Ok, le bar c'est clair. Push à gauche. À droite c'est clair aussi. Au middle c'est clean. C'est clair à gauche, clair à droite. Clair. Ok. C'est bon, c'est carré. J'aime quand c'est carré. Bonjour. Je vais le bouger. Ok, par contre, derrière la porte, ils se cattent, là, il y a du contact. Hein. J'ai fermé devant eux. Je suis juste derrière toi. C'était un bordel tout à l'heure ici. Ouais. Déjà, on va faire ça, je pense. Quoique, on peut même faire ça si on a envie. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Du coup. Tu veux taper le bélier ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais. Ok, d'accord. Le but du jeu, ouais, faut juste vérifier s'il n'y a pas des pièges. C'est juste, personne ne rentre tant qu'on a balancé. Vu la taille du truc derrière, vu que c'est un entonnoir et que ça s'ouvre, pour éviter la merde de tout à l'heure, tant que ça commence à tirer à la porte, les shields, vous restez à la porte, ok? Et okay. Personne ne rentre okay. Tant que ça... On vous balance de la smoke par-dessus pour essayer de calmer les bonhommes avant de rentrer, ok?
Ouais, faut que tu aies wedge 6, moi j'arrive pas. Bah non, alors, on s'en fout, tu peux taper avec ton truc. Ouais, mais on non, 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 si non, 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 il y a un piège. Ah, bien vu, bien vu. Ouais, il faut l'entrouvrir. Ouais. C'est quoi l'ordre? Tu flashes le plafond et smoke au fond? Bah, on flash le plafond et smoke au fond, attention, ça peut sortir. Ouais, ouais. Ok, et après on rentre. Ok. Je te Est-ce qu'il y en a un, tu penses qu'il y en a un contact de la porte? Ouais, quand j'ai refermé, j'ai. Ouais, après, il bouge beaucoup, hein. Okay. Je te la pique dans 3, 2, 1. Pas de piège? Négatif. Je tape. J'ai rien vu close, hein. J'ai rien vu close. Moi non plus, je m'étais préparé. Wolfie, tu peux décaler? Un peu? Vas-y, prends l'info. Je commence à préparer une smoke. Ok, je vois rien dans le couloir principal. Okay. La porte à droite est fermée. On n'est pas obligé d'y aller comme des oeuvres. On peut aller jouer la porte à gauche. Wolfie, tu peux protéger pour que. Ouais, hein. Tu peux aller la faire, Bazou? Celle à droite? Non, gauche. Gauche, c'est celle-là? Gauche. Ah ouais. À gauche, je vois pas ce qu'il y a. Je vais smoker pour toi à gauche. Droite, Bazou, tu peux en mettre une profonde. Je smoke contact à gauche. Attention au balcon dehors. Ça smoke au fond. Vas-y, Excel. Go. Wolfie, vas-y, pars tout droit, on va à gauche, nous. Excel, t'arrêtes plus, debout, t'arrêtes plus, gauche. Une porte à droite. Gauche. Ok, c'est du bon wedge, jusqu'au moins. Oh, j'ai plus de wedge. Là, c'est clear, on arrive avec vous. Attention à la porte. Ok, j'ai wedge ici, il y a juste celle-là qu'il faut qu'on. Tu veux que je la pique? Ok, c'est bon ici. Pour le moment. Vas-y, bah tu peux la piquer. Vous avez pris l'arme au fond? Il n'y a pas de piège dessus. Négatif, je l'ai pas pris. Je push? Non. Ok, l'arme c'est bon. Merci Basic pour les 25 mois. Je vais balancer. Ah, je peux plus balancer de smoke, je vais plus de smoke. J'ai 4 smoke et j'ai plus de wedge. Ok, je vais aller mettre à gauche de la porte. Je suis blindé en wedge, blindé en smoke. Hein. Je vais la pusher la porte pour vous. Les shields, please protégez-moi parce que je suis dans une petite. Vous êtes prêts? Je suis là. Ouais. 3, 2, 1, je push. Allez. Ok, j'ai personne au piano. On peut smoke au fond pour la cuisine. Doucement, Excel. Je smoke au fond. Vas-y. Ok, smoke vers la gauche. Tu te mets tu dehors, sur la terrasse. Dehors, terrasse. Je vois ses pieds devant moi là. À droite, ça vient d'ouvrir. À droite, y'a personne. Non, à droite, c'est fermé. À droite, c'est fermé. On fait quoi? Bah. Deux secondes. Il faut regrouper à gauche. Gauche et tout droit. Il faut gauche et tout droit là. Et à gauche et tout droit. Sur la Vas-y, Wolf plus Baizu, allez-y. Au fond. À gauche. Et derrière, oui, non, tout droit. Et Excel, on part direct à gauche. Mais on tape sur le balcon ou pas? Bah, y en a un balcon. Y en a un sur le balcon, c'est sûr. De l'autre côté, moi, le balcon. À droite, on a pas de wedge. Hein. Mais oui, c'est ça, j'ai dû sortir. Dès que on va faire du wedge, on va sortir. Ah, mais c'est ça. Excel, tu viens avec moi, tu vas au fond et Wolf, tu vas wedge à droite direct. Ah, mais à gauche, y'en a un là. Non, mais à gauche, non, il est sur le balcon. Allez jouer, essayez à deux avec Wolf et Baizu d'aller jouer les portes de droite, d'accord? Excel, on reste ici, on essaie de couvrir tranquillement sur le mec s'il commence à faire de la merde sur le balcon. Ok. Je le calme moi. Ah, y'a la porte. Stop, Excel, on tape. Tu t'écoutes pas en fait. Stop. Ok, c'est wedge? Ouais. Vous pouvez prendre à gauche? Vas-y, on y va, on n'est pas obligé d'y aller comme des oeufs à chaque fois. Les deux sont wedge, vous avez wedge? Vous êtes des monstres en fait. Oui. Moi je le vois pas, vous voyez un bonhomme? Bon, on l'a entendu. Ouais, il est dehors. Ouais, il est dehors, je l'ai vu moi, j'ai vu ses pieds. Hein. Moi aussi j'ai ses pieds. T'inquiète, c'est wedge. Ok, là c'est wedge, ok, on est bon. Ok, donc nous on peut prendre la terrasse de notre côté. On peut prendre aussi la terrasse de notre côté comme vous voulez. Pied devant nous, il est contact à nous. Oui. Je pique la porte un peu. Ouais, pique là. S'il bouge, je le. Y'a pas de piège. Vas-y, bah écoute. Wolf, je sais pas s'il y a un piège. Hein. T'es prêt? Attends, bouge pas. Je vais. J'ai pas de piège. Laisse-moi la toucher la porte. Je le flash et tu lui rushes dessus. Ok, vas-y. Attendez, nous on peut lancer une smoke au pire. Non, je le flash dans 3, 2, 1. Ça part. Go, Excel. Go. Tiens, bon, alors. Faites gaffe, on est au bar. Il est à terre. Arrête pas, continue. C'est bon, c'est nous. Nickel, impeccable. T'as jamais besoin de regarder un otage, mec. Un bonhomme, un suspect, pardon. Tu continues, tu t'arrêtes comme un train. Dans la pièce précédente, j'ai wedge une porte, elle donne pas sur la terrasse, je sais pas où elle mène du coup. Non, elle donne sur un petit bureau. Ouais, s'il y a quelqu'un. Il y a cette pièce là aussi à faire. Bien sûr, bah let's go. Excel, ici. C'est bon, c'est un wedge. Ouais, parfait, Wolfie le monstre. Vas-y, pique, je check le piège.
Ok, négatif pour le piège. Vas-y. Je te le donne. Ok, c'est je bon. Je t'assure, Wolfie. Go, 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 go. Je go, check go, la go. Douche. Ok, c'est clair. Parfait. Et là, le porte, c'est un bureau. Ok, allez, c'est le bureau, c'est un bureau au fond mais là-bas. Il peut y avoir un mec derrière la porte. Ouais, hein. Ouais. J'ai pas utilisé une seule balle, quoi. Je unwedge. Efficacité de ouf. Ouais, ici, c'est sur moi, là. Attention, ça peut du me toucher. J'ai la ligne. Tiens avec moi. Moi, je suis derrière Axel. Je peux pas faire grand-chose, là. La pique si tu veux. Je vais piquer. Non, on rentre pas pour le moment. Je vais la piquer, pusher. Okay, okay. Mettez-vous. Et je pique, push et je regarde ce qu'il y a du coup dans le prolongement de la porte. 3, 2, 1, pique. Est-ce qu'il y a du piège? Pas de piège. Ok, je push. 3, 2, 1, push. Personne dans le prolongement de la porte. Je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière la porte, c'est tout. Et à droite, je vois pas non plus. Bah, vas-y, j'ai commencé à prendre des infos. Go, go, go. Wolfie. Non, pas de à shield. Droite, pas un... de shield. Pas de shield. Je suis derrière toi, Wolf. Y'a rien à droite. C'est un bureau, c'est clair. Moi, c'est clair. La porte. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a pas un truc à... Ok, mais du coup, moi, c'est pas de cette pièce-là que je parlais. Ah, pardon. Venez, attention, du coup, et le placard, bedroom. Là, vous l'avez regardé? Oui, oui, ouais. y a rien dans. C'est une petite salle de bain. Non, négatif. Là. Ça. Hein? Prenez la ligne là-dessus, bordel. Ça s'ouvre, ça? Oui, je l'ai dit. Ah ouais? 3, 2, 1. Get on the ground. Attends. Oh putain, mais je savais même pas que cela est s'ouvrait. Je vous moi, ai dit, que faites petits. Attention au placard, ah ouais. Les amis, maintenant. Si les mecs putain. Sortent dedans, on est grave dans la merde. Est-ce que ça, c'est le, ah ouais. Le couloir principal? Ça, c'est le couloir, tout à fait. Ouais. Ok, bon, bah vas-y, on déverrouille. Non, il reste une pièce, manque, du coup. Il manque une pièce encore qu'on a pas... Oui, mais il donne vers un truc qui est full wedgé. Oui. En termes d'étanchéité, on est bon. En termes d'étanchéité, on est bon, ouais. Bah oui. Si vous faites pas confiance à vous-même, là on est dans la merde. Si, j'ai wedge toutes les portes là-bas. On y avance one by one. Et après, donc du coup, quelle est la pièce qu'on veut faire? Dans la première pièce où on est rentré là, dans toutes ces chambres, il y avait une. Il y a deux portes encore. Il y a celle, je pense, de la salle de bain à gauche. Et celle au fond là, de la petite truc, il y a une. Je pense que ça doit être un placard. Attendez, mais c'est qui le mec qui est mort là? C'est pas un mec qui est il mort, est là c'est depuis un mec le début. En incapacité. Il est là depuis le début, lui. Ah, ok, d'accord. Il fait pas. Ok. Et donc, du coup, là, on tape la petite porte là, les toilettes, j'imagine, au début. Ouais, et là, on en a une aussi, là, en face de nous. Bon, vas-y, tapons les toilettes. Bah, zoom et toi à droite avec ton belly. Ah, bah non, tu peux pas. Je vais unwedge. De toute façon, je pense que c'est. Et je me recule. Ok, je pique. Okay. Je peux pas check pour le piège, moi, de mon côté. Je vais le faire. Pas de piège. Vas-y, push dedans, Wolfie, je suis pas safe là. Non, c'est des toilettes, je vois rien. C'est bon. Ouais, bah, non, moi, j'aime bien être à 2 mètres derrière, balancer un gros coup de flash dans le plafond si c'est la merde. Et du même coup, si il y a celle au fond. Hein. Ouais. Ça doit être un petit KGB aussi, hein. Vu la gueule de la porte. Je sais pas. Attends, je te l'envoie. On va échanger. Attends. Bien là ou pas là? Ouais, j'arrive pas à l'onwedge, forcément. Alors, je t'enlève si tu veux. Là t'es parfait Axel, là c'est magnifique. Ok, là elle est un wedge. On change juste de côté. Attends, je me mets à droite. Ouais, pique lui la porte pour lui, il check. Attends, je suis à pique, maintenant. Oh, y'a un piège. Si, y'a un piège. Ouais. Allez, je vais essayer de le faire. Attends, c'est... Vous êtes tous les deux en face de la porte, mets-toi pas comme ça, Bazou. Ouais. Alors je peux fermer la porte, mais je peux pas le... Vas-y, laisse-le moi. Les pièges et les wedges, ouais. C'est la merde. Je l'ai. Bon, ça faut que je le fasse à chaque fois parce que c'est vraiment client-sided. Let's go, Wolfie plus... Wolfie Shield plus Baizu derrière toi, derrière lui, en train. Vas-y, 3, ouais. 2, 1, je push pour vous. 3, 2, 1, top. En avant, on peut... Vas-y, Excel. Allez, t'arrêtes pas. C'est clair. Il est tellement lent, mon perso. Tellement lent. Non, je pense que c'est ton cerveau qui est lent. Ouais, je pense aussi, mais. Je pense que l'accumulation des deux, ça fait que t'es très très lent. Ouais, t'as vu ça, c'est fou. Hein. Merci, Electrox. Merci à toutes les personnes qui prennent des droits de scolarité. Nanios aussi. Surtout les samedis où c'est des. On n'est pas sur du Rainbow Six. Vous inquiétez pas, vous allez en bouffer pendant 2 mois du Rainbow Six avec tout ce qu'on a prévu. Du coup, on retourne là. Ouais, là, il y a après, des pièces. Les chambres à gauche. Je sais pas du tout si elles communiquent, hein, pour le coup. Donc, pour moi, je pense que du coup, ces deux-là communiquent. Parce que tu vois, il y a la. Et c'est marqué loin sur les murs.
Parce que là, on a fait... Nous, on a fait la King Room. Donc, à mon avis, on doit avoir la Queen Room, du coup. Ça doit être les deux autres pièces communicantes. Excel, là, tu as envie de te mettre où, là? Je me mets de ce côté. Là, là. Ouais. Le petit corner, là. Oui, ça, Happy c'est bon, home. Ça. J'aime bien, ça. C'est beau, ça. Je joue pour toi. Ok. Il y a un wedge. Ouais. Mais il y a peut-être un wedge. Aussi. Ouais. Je pique. Je peux te dire, c'est un... Négatif, je peux pas pique. On fait pas de bêtises. Est-ce que tu peux la pique pour moi? Je peux pas la pique. Elle... Si, c'est bon. Moi, je peux la pique. Je vais la pique. Okay, dans 3, 2, 1, pique. Ok, pas de piège. J'ai une porte tout de suite en face de moi, là. Dans où je vise, là, je dirais que j'ai une pièce. Ouais, ça a l'air d'être des toilettes. Ça a l'air d'être des toilettes vides. Excel, t'es où? Ok, je vais passer derrière toi, Excel. Je vais pusher. 3, 2, 1, je push. Et personne, contact. Je passe derrière. Contact. Vas-y, contact, balance une smoke. C'est du civil, hein, mais ça court. Ça lui fait pas de mal. Ça lui fera pas de mal. Doucement, à gauche, c'est clair. On a pas eu trop d'infos là sur le fait de rentrer. Ok, gauche, c'est clair. Dans gauche. La pièce, c'est clair. Il y a un placard à droite. J'ai une porte à ma droite aussi. Ouais, c'est la Excel, merde. je le joue. Le placard. Vas-y, je suis derrière toi. 3-2-1, top. Là, j'ai une autre pièce qui s'ouvre. Ouais, c'est une salle de bain. Va les aider. Ça doit communiquer. Je le joue, lui. Ça communique, ça communique. J'ai ça une communique. Pièce, là. Vous l'avez laissé, celle-là. Si ça sort, je suis dans la merde, moi. Reviens. On ferme ça. Ouais, ferme-la, parce qu'après, c'est ouvert sur la terrasse. J'ai une pièce juste en face, ouais. Ah non, ça donne sur la chambre. Celle que t'as wedge de la salle de bain, ça donne sur la chambre, c'est bon, c'est clair. Ouais, mais c'est clair. T'es sûr, t'as tout vérifié? Ouais, c'est sûr. Il y a des flammes à gauche. Excel. Si le mec il tape dans la porte là, tu te retrouves où? Pas en face de lui. Ouais, non, mets-toi en face de la porte, en mode c'est toi qui. J'ai un placard, Wolf, viens ici. J'ai un placard côté de l'ouverture. Wolf, derrière, viens. Excel, là, bouge pas, on est bien tous les deux, t'inquiète, on est bien. Il faut le clair. Il y avait un placard aussi. Il y a un peu con avec une arme déchargée. Non, mais on les laisse travailler. Tu vois, ça s'ouvre, ça? Oui, moi je suis toujours derrière. Ouais, ça s'ouvre. Ouais, je sais. Vas-y, ouvre. Là, j'ai ma jambe gauche qui est en rouge, par contre, j'ai vu. Ah non, what? Ah non, il s'ouvre pas. Il y en a qui sont verrouillés. C'est celui-là? Bah attends, mais en fait, il n'y a pas tous les placards qui s'ouvrent. C'est quoi ce bordel? Non, je crois que c'est que les grosses pièces. Ok. On a pas check celui-là hein, derrière. Ok, je l'ai fait, on l'a fait nous. Ok, nickel, ouais. Nickel, bon bah voilà. Ok, bon on a plus que cette porte-là, et là du coup ça donne sur la dernière pièce. On sait pas, hein, peut-être pas. Hein. Enfin, la dernière grosse pièce. On sait pas, peut-être que ça ne donne pas, peut-être que c'est une petite pièce et... Je joue à gauche plutôt du coup. Ah. Non, je le joue à droite. Je peux me mettre là du coup. Attention au piège. Ouais, je pique juste. Et je désengage. Ouais. Ça marche dedans, je crois. Non, t'as juste à reculer, normalement t'arrives derrière moi. Ok, piège, c'est négatif, par contre il y a une pièce qui donne ouverture à droite. Il y a du monde peut-être dedans, ça peut taper dedans la porte, faites gaffe, je m'écarte. Non, parce que là il y a ouverture à droite, ouverture à gauche. Tu sers à rien, hein, de ce côté-là. Axel, avance un peu, par rapport à moi, essaye toujours de me protéger, poulet, s'il te plaît. Voilà. Essaye d'avancer encore, Axel, que je puisse pusher la porte. Là, comme ça, là. Que je puisse pusher encore, je l'ai pas. Je vois rien à droite, hein. C'est une petite étagère à droite, il doit rien avoir. Doucement. Décale à gauche. Je vais pouvoir la pusher. Tu veux pas smoker à l'intérieur, là? Oh, j'ai de la smoke, s'il faut, moi. Vas-y, Wolfie, vas-y, go. Alors, je passe en smoke. Ok, j'ai la smoke dans les mains. Vas-y, go. Tu veux la balancer dans le trou ou pas? Tu peux? Au pire, elle ça fait longtemps que j'ai pas lancé de grenade, donc... Ah merde, pourquoi je peux pas lancer une grenade surtout? C'est parce qu'il est trop près, t'es trop près de l'autre. C'est débile, mais... Ok, c'est bon, je l'ai dé, je la lâche. Elle est pas terrible. Elle est pas bonne. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas comment on lance les grenades. Hein. Non, elle est bonne, je pense. Elle est parfaite. Ah non, elle est sur nous. Ah. C'est pas très grave. Excel, tu sais quoi? Ouais. Push avec ton bouclier. Et recule, hein. Il y a une porte fermée à gauche. Et y'a rien dedans, c'est quoi? Y'a rien dedans là. Okay. C'est un KGB. Un sas, c'est un sas. Y'a un piège, sur la porte. Ouh, ça tu vois notamment, c'était quelque chose à dire. Ça j'avais pas vu. J'ai la porte en ligne de mire, au cas où ça sort. C'est marqué quoi sur le petit mot là? Y'a du monde dedans, on le sait. T'as du. On est pas trop mal là. Un shield à gauche, un shield à droite. Shield à droite, ouais, vas-y poulet.
Mets-toi plutôt là. Et on fait la même chose, on rentre pas pour le moment. Je vais essayer de la piquer. Ok. Ouais. Je la pique. Check un piège de l'autre côté. Bah, est-ce que tu peux. Si Excelsior s'avance, tu dois pouvoir la pusher la porte, s'il te plaît. Vas-y, Excel. Bon, personne ne rentre. Prends ton encore, temps, encore, essaie encore. De choper le. D'accord. Faut qu'il se décale sur la gauche en fait. Faut qu'il donne un accès. C'est bon, je peux. Je vas-y. Peux. 3, 2, 1, top. Y'a quelqu'un, go. Faisez-moi. Flash, flash. Je smoke. Je flash au-dessus. Je rentre. Je smoke sur la gauche. Tranquille, on prend juste les infos. Y'a deux mecs. Deux mecs à gauche. Tranquille, Wolf, hein. Ouais, je flash au-dessus à droite. Ils sont flash, ils sont flash. Ou Excel, tu pars à droite, Wolf, on part à gauche. 3, 2, 1, go. J'ai pris. Y'en a deux à gauche. Les premiers, le deuxième, c'est notre fin. Y'a rien à droite. Ah, ouais, je suis bloqué là, tu me bloques. Ok, tu les prends là, vous les prenez, eux. Ouais, fie. Est-ce que tu peux smoker au fond? J'ai plus de smoke moi, j'ai plus rien. J'en ai, je me lance au fond. Vas-y, je te couvre. Et fais gaffe, contact à droite, poulet. Hein. Mais c'est quoi ces smokes de merde? C'est pas grave. Ok, pars à droite, Excel, Wolfie. Baizou, tout droit. Baizou, gère les bonhommes, gère les bonhommes. Le mec, il est derrière là, personne n'est en train de le regarder, sérieux. Je gère. Pousse-toi Excel. Juste le c'est cerveau la porte en fait du couloir, ouais. Excel avance. Vas-y, je suis obligé de le gérer parce qu'on peut rien faire en fait. Calm down. J'ai Wedge au fond. Ouais, je sais pas ce qui se passe au fond là, ça peut sortir à tout moment. Et on a le shield qui nous regarde et qui n'est pas entre l'endroit où ça peut sortir. Tu fais là, tu sers à rien Excel à droite, là. Hein. Il y a plein de portes à droite là. Ouais, t'es bloqué avec tout le monde là. Mais non. Okay. Bah oui, mais il veut coiffe toujours l'objectif quoi. Et après, Baizou, en revanche, c'était à toi de les prendre en joue. Mais c'est pas très grave. Bah, quand tu m'as dit au fond, du coup, je croyais que je devais suivre le shield pour aller au fond. Je peux comprendre, mais le truc c'est que dans ce cas là, c'est à toi de me dire, bah il y en a deux qui sont pas gérés, tu sais. Ouais. Et Wedge la porte du fond. Ok, nickel. Je viens de la Wedge. Du coup, il nous reste la porte du fond où vous êtes là. Celle-là c'est dans le couloir et là par contre, attention à droite, Wolf. Non mais c'est Wedge à droite, c'est droite, c'est Wedge. Non mais là il y a une pièce. Ouais j'ai clair, j'ai clair. C'est Wedge, il reste du coup celle avec nous, la Baizou, et celle que j'ai Wedge au fond. Et là c'est un placard. Ok. Ah ok, c'est un placard qui s'ouvre pas du coup. Ok, vas-y Wolf, dis-nous. Et donc il reste juste celle-là. Ok, je l'ai. Et celle de l'autre côté que j'ai Wedge au fond. C'est les deux seules, il faut... On doit avoir un fusil sur une table à récupérer aussi je pense. Et Baizou, quand t'es le dernier de la colonne de 4, même si je t'ai dit au contact à gauche, tu dois me dire attends, y'en a deux qui sont pas gérés derrière, tu vois ce que je veux dire? Tu dois me le dire. Mais que je retrouve pas Excel en train de... il avait le bonhomme qui était juste derrière lui. On sait comment il se relève et qu'il prenne des couteaux. Ouais, du monde, non? Ouais, c'est my bad, sorry. J'aurais dû les... Le truc que t'as dit à la pêche, c'est la panthère. Pour poiler sa façon au lit? Non, mais c'est aussi le mabaye parce que c'est vrai que j'aurais dû... Je veux tout faire parfois. C'est... Qui est-ce qui court là? C'est toi, Wolf? C'est moi. Ok, ça marche. Ok. Ok, je pique. Et j'ai pas de piège. Ok, bah vous y allez tous les deux, Baizou et Wolf. 3, 2, 1, top. Oh, c'est une salle de bain. Ouais. Ok, je regarde derrière la porte. J'ai rien à droite. J'ai rien. Si j'ai... Ah, piège sur la porte que j'ai Wedge. Ok, bien ok, pris. Donc la porte que j'ai Wedge on au fond, elle ramène ici. Il y a un piège là. On est clair du coup. On aura fait toutes les pièces. Juste qu'on trouve l'arme. Il faut juste qu'on trouve l'arme sur une des tables. Imagine là, tu rip, tu push le piège et on pète. Par contre, ouais, on est censé trouver une arme quelque part. Hein. Ah bah, on sait pas, peut-être qu'il reste des ennemis. Un tireur d'élite côté nord. Ah, je crois que. Côté genre nord. Un snipe. Côté nord. Non. Ah, bah, je l'ai. Nice. Ah bah. Nice. Il est tiré. Ah ouais, dans la salle Queen. T'avais raison. C'était la salle Queen. Attention, surprise. Bah, normalement, on est bon, hein. Ouais, j'ai pas vu d'erreur. Nice. On est très bon. Mais j'avoue, c'est pas simple d'avoir la logique shield. Enfin, je sais pas en fait. Pour moi, je veux pas passer pour un trou du cul, mais ça me paraît tellement naturel. Mais c'est pas naturel ou c'est naturel? De. L'endroit où doit se positionner un shield.
Ah bah oui, après oui, c'est logique qu'il soit devant, qui, comme tu dis, coiffe l'objectif, c'est toujours s'étendre et se liquifier pour prendre la zone. Mais après là, Excel, je crois qu'il était vraiment bloqué entre les otages. Ouais, et... j'étais bloqué en fait, je peux pas avancer. Ah oui, oui, oui. Entre le canapé, l'otage et vous. Oui, 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 c'est vrai. Puis c'était moi aussi, ce que j'ai call était pas.